Ok. Merci Stringer, t'es un monstre poulet. Vraiment, pour les 5 mois de frais de scolarité. Hein. Eh ben, c'est pas grave. T'arrives et tu payes ton Prime. Et tu lâches ton Prime ici et ça fait plaisir. N'oubliez pas, Prime, vous avez la possibilité de soutenir le campus de la Salty Academy gratuitement. Et en plus, vous enlevez de l'argent à Jeff Bezos. Voilà. Pour éviter qu'il envoie encore son pénis dans l'espace. Il ne pouvait pas sortir tout à l'heure ce fumier. Bah ouais, les amis. Et je vous ai dit, ça c'est légendaire. Ah, le bâtard, bah ouais, je sais, Vedix. Ok, 3, 2, 1 sur Gridlock. C'est quoi le but? À part se faire spotter à 100 mètres. Allez, autre prédiction. Même dégaine que Six. Eh, Masti, Rona, tu te calmes, mon petit enculé, hein. On dirait un garde républicain. Oh, les fils de pute. Tous les mecs de Paris 12e en sueur. C'est pour augmenter ta hitbox TKT. C'est clair. Hein. Non, mais si tu te caches derrière un truc, tu vas voir la crête qui dépasse et tout. C'est n'importe quoi de changer le skin et la hitbox d'un perso, mais bon. Ah, y a Kubi pour faire ça, hein. 100% bleu. Ça, c'est violet. Mais 1000%. Si c'est pas violet, je me coupe une couille. En live, sub goal. Non, en vrai, j'en ai pas. J'en ai plus. Hein. Quelle sera la couleur du pack, les amis? Prédiction en haut de l'écran. Encore? Mais t'en as encore combien? J'en ai 17. Oui. C'est un Black Eyes sur Lésion ou le Spear de Finca? What? Ça, c'est un Black Eyes. Oui, mais c'est sur une batteuse, un boiteux. Ah ouais, tu n'arrives pas à voir. Plus de jetons. Artemis, ouais, désolé. Il va falloir que tu partes. Tu es pauvre. Désolé, nous n'acceptons pas les pauvres. Désolé, poulet. Black ass, blackeuse, batteuse de fuse. Ouais. Ça sent le pendentif de merde. Vas-y, mais nous porte pas la Shkoumoun, toi. J'ai mis 712 sur gold. Non, Oni. Nuance, tu as all-in 712 sur gold. Mais ça, c'est violet, ça. Ah, bah ouais. Les mecs, je vous ai dit que c'était légendaire tout à l'heure, c'était légendaire. Là, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est légendaire, sérieusement? Vous me devez tous 5 subs si c'est violet. Parce que ça, c'est violet, les mecs. J'ai pas un couteau. Damn! Tu m'as dit violet, c'était bleu. Eh ben, c'est gold. Voilà! Le résultat est gold. Putain! Allez, ça c'est quoi? Un joli truc, please, un joli truc, please, un joli truc. Let's go! Oh, il y a Demolition Range qui le teste, le Keratos 357. En ce moment. Ça passe, hein. Bon, je le joue pas, mais bon. En vrai, ça va, hein. Il est quand même très classe, on va pas se mentir. Non? What? Plus 253K? Non, c'est impossible. What? Mais c'est impossible!
Tu te demandes comment elle tourne, ouais, les munes. Hein. What? T'as parié 712. T'as parié 712. Et tu viens de faire plus 253. Mec, j'ai jamais vu. Toi, t'as mis 254 et t'as eu 90K. Mec, j'ai jamais vu une cote comme ça. J'ai jamais vu une cote comme ça. Combien ont gagné? Eh, vous avez fait le... Tous les deux, là, vous avez fait le plus gros hold-up de l'histoire de l'humanité. Une cote à 355 pour le gold. Vous étiez deux sur le gold? C'était un bravo pack et vous étiez deux sur le gold. Non mais il y a un blaireau qui a fait all-in sur vert, c'est pas possible. Un alpha pack à la limite, je veux bien, mais un bravo pack. Il n'y a pas de vert, je crois. Déjà, le bravo pack, il n'y a pas de vert. Et les probabilités d'avoir du violet et du légendaire sont beaucoup plus grosses. Yo Eugene, comment va l'ancien? Oh, 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 calme-toi. Non mais n'importe quoi. Vas-y, j'en ai rien à foutre, tu re-all-in. Tu re-all-in. On va voir. L'autre, il est revenu. Il a tout perdu. Il lui restait 712. Il a tout repris. Le Guise, tu viens de revenir, là? Ah, le Guise, tu vas être vénère. Attends, je fais flamber. Il y a cuisine, il y a le feu, hein. Oh putain. Oni Gaming a parié 250K de Salty Money sur un Alpha Pack. Il a perdu ses 250K. Il lui restait 712. Il a parié 712 sur un Bravo Pack. Où j'ai dit à tout le monde, ça va être violet. Il n'y a que deux personnes qui ont parié sur le gold. Avec ses 712, il les a mis sur le gold. La cote était à 355 et il vient de se faire 253 000. avec 712. Ah, le fils de pute. Oh, c'est incroyable. Ok. Du coup. Attendez. Roy, bonjour à ceux que j'ai pas souhaité. Bon, il est pas mal. Moi, je le prends, le Gladius. Hein. Équipé à tous. Oui, bien sûr. Ensuite, on a quoi? On a... Battle Pass. Oh, j'ai encore des points, là. Je prends quoi dedans, là? J'ai encore 7 points, les mecs. What the fuck? Vas-y, je prendrai tout, de toute façon. Oh, il est joli celui-là. Oh, mais il y a que des trucs de Bozo le clown là. Allez, je fais tout péter. Voilà, j'ai tout utilisé comme une grosse merde. Ah non, il reste 2 étoiles encore. Nice. Ok, j'ai 3 packs. Ça veut jouer au con, là? Il y avait vraiment le feu, putain. J'ai pas allumé la bonne plaque. Il y avait un torchon dessus. Photo. Envoie la photo, personne te croit. Non, non, non. Oni. C'est envoyé.
Oh, ça t'apprendra, mon gars. Ça, c'est le karma pour avoir fait le plus gros hold-up de l'année. Oh my god. Oh my god. Ouais, tu crois que tu peux faire un braquage pareil sans le karma? Oh putain, la vache. Aïe, 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 aïe. Mais qui fait ça, sérieux? Et t'as rien senti avant? Oh là 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 là. Comment mourir comme une merde, quoi? Comment mourir comme une sombre merde? Oh la vache. Oh putain. Bon bref, ok. Let's go. TKT, il y a 200K pour réparer sa cuisine. Ouais, c'est clair. Ok, let's go, prédiction. Allez, en haut de l'écran, les amis. Il vous reste 20 secondes pour voter. Prédiction. Allez, là. Allez, ça fait les petits... Hein, les petits joueurs. All-in et Ville Coyote. Les mecs qui disent all-in, en règle générale, ils ont 12 Salty Money. Et moi, à côté de ça, qui suis sur une route pleine de neige. Et toi, à côté de ça, qui est sur une route pleine de neige, en train d'écrire dans un chat sur Twitch. Bien joué. Bien joué, Alain Prost. Il y a une cote à 700 sur le gold. What? Vrai, j'ai all-in. Violet, 100%. Mais les mecs, mais ça va être encore gold. Je suis plutôt Jean Alési, là, je dirais. Bah non, allez-y, il a pas fait de, il a pas fait le trophée Andros. Alain Prost, il a fait du trophée Andros pendant des années. Les commandes vocales, ça marche bien. Mais quand bien même, meuf, t'as pas à être sur Twitch quand t'es en train de conduire. J'ai mis gold, haha. Encore une prédiction, ouais. 3, 2, 1... T'as remis gold, Oni? Non, c'est une blague. J'ai pris que 10K. Ah bah ouais, tu vas pas hold up tout le temps. Oh my god. Plus 17K. Nice, bien ouais. Vous êtes des monstres. Oh, ça va, je prends. Elle est stylée, hein. J'aime bien. Elle est classe, non? Non, on est d'accord ou quoi? Oh, drôle, je l'ai eu hier. Elle est propre, hein. Ah, Frost. La plus belle. J'en ouvre un autre ou on attend une game? Vas-y, j'en ouvre un autre. Vas-y, 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 vas-y. Je garde le dernier pour la fin. En avant. Go des all-in, là. Faites pas les petites fiottes, hein. Vous faites pas les petites fiottes. Je veux que du all-in. Hein. Comment on fait pour que ça s'affiche quand on met un mec KO? Je sais pas, poulet. Ça n'a pas été enlevé, ça. Et bonjour, Stephen. All-in, avec 20. Over a gamer, le plus grand, le VIP de la chaîne, le sub-gifter numéro 1, à 10 de Salty Money. Oh la vache. Oni, t'as fait all-in sur bleu, là? All-in sur violet, 64K. All-in, t'as fait 250K sur bleu, là? All-in sur violet? Let's go là, du all-in. Ça va être vert. Mais c'est pas possible que ce soit vert, c'est du bravo. Le 1, c'est quoi? 1, c'est vert. Il y a personne qui a mis 1 quand même. Gold, c'est 4. Je peux pas cliquer sur le truc. Vous avez commencé vert, bleu, voilà quoi. 100% gold.
Ah, je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est des trucs du Battle Pass. Dans le truc du Battle Pass, honnêtement, hein, dans le Battle Pass, jamais je mets du bleu. Jamais je mets du bleu, jamais je mets du bleu. En vrai, tu mets pas bleu. En vrai, tu mets violet. Violet, ça doit être la plus grosse probabilité sur tes Bravo Pack, je pense. Du Battle Pass, non ? Si c'est bleu, je sais pas qui a mis bleu. Over a Gamer, mec ? Le mec qui a all-in sur vert. Personne n'a all-in sur vert. Tu peux pas gagner sur vert. Si c'est bleu, il y en a, ils vont faire des hold-up. Hein. En vrai, c'est le casino de ta chaîne 6-4, je suis mort. Non, y a pas. Vous avez rien à gagner, moi. Ok, je vous promets pas mondes et merveilles. Non, avec mon Wagger. Avec mon Wagger 4-4, tu vois. Franchement, là, je vous fais du bon contenu, les frères. J'ai eu que deux écureuils et un pamplemousse. Bah ouais, Ouais, vous connaissez pas, mais avec le Wagger x4 sur le starter B2, là, tu vois, si j'avais eu 5 écureuils, ah, c'était bon, j'avais les glands. M'énerve. J'aime pas ce genre de contenu. Ok, 3, 2, 1, violet 100%. Bah ouais, les mecs. Je vous l'ai dit. Oni, t'as perdu 250k là. T'as perdu 250k. T'as regagné 250k et tu viens de perdre 250k. Oh là 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 là. Oni Gaming qui a perdu 250k et un torchon. Plus 42k. Et ça, c'est un Black Ice. Black Ice ou pas ? Prédiction ! Allez, ceux qui viennent de gagner là. Faites pas les petits là. Black Ice ou pas ? Prédiction en haut de l'écran. All in. Bien sûr, c'est Black Ice. 100% c'est Black Ice ça. 100%. Vous pouvez y aller les yeux fermés, les mecs. Faites-moi confiance. Je suis influenceur. Un influenceur dit toujours vrai. Toujours. Il n'est jamais, jamais dans la démesure. Il ne veut que votre bien. D'ailleurs, merci à CyberGhost VPN de nous avoir sponsorisé pour ce stream et l'intégralité du mois de décembre. Si vous voulez d'ailleurs participer et essayer, vous pouvez aller dans la description. Vous aurez la possibilité de voir directement ce qu'est un VPN et comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez 84% ou certains mois offerts pendant l'intégralité du mois de décembre en utilisant le code 6-4 ou directement en cliquant sur le lien qui est présent dans la description ou en faisant point d'exclamation VPN. Ah, c'est dans la boîte. Pas mal, plus 50k. Moi, j'aime pas les influenceurs. Avec les tasses en porcelaine. Ok, c'est bon ou quoi ? Prédiction, là, pour le Black Ice, c'est bon ou pas ? Mais 100%, c'est Black Ice, ça. 75% sur non. Mais non, mais vous êtes trop cons. Je vous l'ai dit, c'est sûr, c'est Black Ice. C'est sûr. Faites-moi confiance. C'est fini ou pas la prédiction ? Clique qu'on rigole. Mais les mecs, c'est Black Ice. C'est Black Ice et c'est pas un duplicate. Oh, mais attends, mais ça peut pas être Black Ice. Parce que si c'est un Bravo Pack, il n'y a pas de duplicate. Sachant que je les ai tous. Mais ouais, il peut pas y avoir de duplicate dans un Bravo Pack. C'est ça la nouvelle truc depuis 2022. Donc s'il peut pas y avoir de duplicate, sachant que je les ai tous, ce sera un Black Ice sur l'arme de sens. Et là, Game Sense. 3, 2, 1. Pas de sens. Mais c'est la prochaine. Je vous avais dit 100%. Je voulais anticiper le fait que ce soit sens. J'aurais aimé. Excusez-moi. C'est juste un Black Ice normal. Ok ? Sur une arme pas jouée du tout. Ok ?
Je suis vraiment désolé, désolé. Je vous ai menti, je vous ai menti. Je vous avais dit 100, c'est vrai. J'ai commencé la journée à 50K, je suis à 228K. Vous voyez que vous pouvez me faire confiance, je vous l'avais dit. Eh ouais. Alors, prenez des subs maintenant, bande enculé. Merci Slayer de Poulet pour les 8 mois de frais scolarité. La narration est vraiment cool. Merci Justin pour les 5 mois de frais scolarité. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, les amis, ok? Allez cliquer sur le lien de la vidéo qu'on va vous balancer maintenant dans le chat parce que vous êtes des monstres et parce que les surveillants sont complètement réveillés, ok? Point d'exclamation last vidéo et spammez-moi la vidéo. Allez lâcher un commentaire et un like, c'est hyper important pendant les premières minutes de la vidéo pour le monteur, hein, qu'on paye avec la thune générée par la vidéo. Et ça rapporte rien, ok? Ça rapporte walou. Ça rapporte 812 euros. Ce mois-ci, soit pas assez pour payer les monteurs. Right? Donc n'oubliez pas, CyberGhost. Ok. Ok, bah let's go. On lance une game. Bim. Ouvre un autre 6-4, je te fais confiance. Non, attends, faut pas déconner, c'est bon. Merci Oni Gaming d'avoir perdu un torchon, mais d'avoir payé 5 droits de scolarité. Merci pour Jordan, pour Yux Moulax, pour Alang, pour Princesse R6 et pour Gagotos qui se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de Oni Gaming. L'homme qui a tout perdu en une journée, ok? Qui a brûlé sa maison, brûlé son torchon, perdu 250 000. Il est au bout de sa vie. Et là, il vient de perdre 25 balles. 20. Un monstre. On veut parier, mec. C'était le feu de l'action. Ok. Est-ce que je lance le dernier pack? Est-ce que je lance? On veut parier. Attends, on en est bientôt au sub goal là. Le dernier pack. Oui, oui, vas-y. All in. Je all in, mais 76. 76K ou 76 tout court? Ouais, c'est des centimes quoi. Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'ouvre ou pas? Le dernier pack. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Ou on l'attend pour la prochaine game? Oui, ouvre. Oui, allez. Ok. En avant. Prédiction en haut de l'écran. Prédiction en haut de l'écran. Let's go. Nouvelle prédiction. De quelle couleur sera le pack? Joline, si tu nous dis 100%. J'arrive pas à voir là. Ah, mes facultés de médium, dont je parle dans la dernière vidéo en commentaire. Vous verrez, allez voir le commentaire de la dernière vidéo. J'arrive pas à voir. Bizarrement, j'ai peur que ce soit un bleu dégueulasse. Eh ouais. Eh ouais. Donc, par précaution, je dirais violet. Parce que c'est le plus logique. Mais j'ai peur du bleu. Voilà. Mais je pense que c'est pas du tout gold. Ah non. Je pense que vous allez être déçus si c'est gold, les mecs. Je pense que... Non. Non, 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 non. Mais non, ça peut pas être vert, trop du cul, c'est un bravo pack. Mais le Guise, il est con comme une bite. Mais vous êtes con ou quoi? Vous avez mis vert? À chaque fois, on laisse le truc avec le vert. J'ai que des verts. En bravo pack, c'est impossible. Ça existe pas, le vert en bravo pack. Non? Si? J'ai mis violet, je te fais confiance. Ouais, mais j'ai peur que ce soit bleu. Si c'est violet, je Twitch Prime. Ah ouais, dégoûté, grosse folie. Hein. T'as même pas parié ta Salty Money, dégoûte. Dépêche-toi, là, d'utiliser la Salty Money, là. En haut de la prédiction, en haut de l'écran, vite, il reste 3 secondes. 2. 1. 0. Va voir la collection de Bravo Pack, il y a des verts. Mais ça, c'est pas un vert, ça, les mecs. C'est soit bleu, soit violet. Rien d'autre. 3, 2, 1.
Y a pas de vert chez moi, tu vois. Ça peut pas être vert. D'accord. Vous, c'est vert parce que... Je sais pas, c'est adapté à votre niveau de jeu, peut-être. Je pense, hein. Je veux pas être médisant, hein. Mais je pense que c'est parce que vous puez bien la merde, hein. C'est de l'abus, ton truc. Merci d'écouter. Il tient sa promesse. Bienvenue, poulet. Prenez ça pas son charme pour toi. CHARM. Je me suis refait. Plus 149K. Ok. Black Ice ou pas? C'est parti, prédiction en haut de l'écran. Une prédiction très rapide. Moins d'une minute pour voter. Moins de 40 secondes pour voter. Est-ce que ce sera un Black Ice? Est-ce que ce sera pas un Black Ice? Je prédis soit c'est un Black Ice, soit c'est un truc avec du cuir à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, je vois du cuir. J'ai peur. Mais si c'est un Black Ice... Putain, le sens de tout à l'heure, là. J'aimerais bien le Black Ice de sens. Je sais pas si je l'ai, mais je crois pas. Je sais pas s'il existe. C'est un charme sur Aruni. Ça existe pas, les charmes, au campus de la Salty Academy. C'est impossible que ce soit un charme. Si c'est un charme... Je me tonds les cheveux. 3, 2, 1... Ah ouais, putain, je voyais du cuir. Ça, c'est du cuir, ça. Ah, je vous avais dit. Ah, je vous avais dit. Ah, c'est vraiment de la merde. Ah, sur une arme dégueulasse en plus. Dégueulasse. Ah, je vous avais dit. Tout à l'heure, je sentais bien le Black Ice. Mais là, je voyais du cuir. Ouais, je voyais du cuir. Eh ouais. Mais ouais, ça sentait le truc marron, quoi. Ah, ouais. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, mais je vous avais prévenu. Ouais. Je vais jouer. J'avais all-in 100K MDR. Vas-y, mais on va arrêter de jouer à Rainbow Six, en fait. On va faire que des ouvertures d'Alpha Pack. Hein. Ça vous fait marrer, bande de petits bâtards. Hein. Tu joues avec les abonnés, hein, parce que si c'est le cas, je m'abonnerai. Xico, t'as jamais été abonné, hein? 100€. 100€, tu fais un don de 100€, on fait une game ensemble. Et encore, un round. 100€ le round. Là, on est bien, là. Ah, les mecs, faut qu'on compense, hein. Ah ouais, bah forcément. Moins de viewers sur Rainbow Six, égale, vous allez plus traquer, hein. C'est tout. Ah ouais, c'est comme ça. T'es cher, MDR. Mec, regarde dans le Twitch game. T'as quoi autrement? D'accord? T'as quoi? Hein? T'as quoi? Et n'oubliez pas d'aller liker ça, ok? Tu vas pas payer 100€ pour l'Oclear. Il a jamais rien gagné. Quand même, Oni Gaming qui est passé de 250K à 76, à 712, qui a parié ses 712, qui a gagné 253. Et derrière, il a reperdu ses 253, tout ça pour tomber à... l'ironie du sort. Ouais. Ouch, pas le perdu. 1K à la partie, c'est ça? Ouais, vous pensez que je pourrais ou pas, hein? Vous pensez que je pourrais? Genre vendre les parties avec lesquelles où on part ensemble? Des concours de décibels. Oula. Ouh là 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 là, ça allège bien les arêtes là. J'aime bien. Oula. Ah ouais, ça allège bien les arêtes, mais... Ça allège bien les capcans aussi, hein. Oh my god! And after the shake of pick and the wall bang, it's going to be in a 1v2 situation. Oh my god, he's so hot. That's 1 minute to go. He's show picking. He sees the Jaeger. That's a 1v1 situation. Can he do it? Oh my god, he sees the Jaeger. Very well played. Can you do it again? I wasn't watching. My god. You didn't see that was Shaco in action. Yeah, man. Mach mal nochmal, ich hab's nicht gesehen. Shukran. Il a parlé arabe là, non? Ou pas du tout, hein?
J'aime bien quand tu castes au 6-4, tu le fais bien, toi. What the fuck? Non, je suis vraiment un casteur de merde, non plus. Non, sérieusement. Moi, j'aime bien analyser les games, quoi. Caster, ça m'a toujours fait chier, en fait. Caster du Rainbow Six, c'est un peu... Jouer à Rainbow Six, ça, c'est cool. Mais caster du R6, c'est toujours un peu... Ah, je sais pas. Oh là ! Bah non, en fait. Il a dit les termes, t'es un maxi BG1. Quoi ? Il a dit ça, le mec ? Tu penses ? Vous l'aimez, la nouvelle map, ou pas, hein ? Vous la trouvez comment ? Merci Xico pour les 3 mois. Est-ce que si on faisait mon spawn kill inventé, hein, dont il faut absolument que si un jour quelqu'un dise oh regardez j'ai trouvé ce spawn kill, vous lui dites nique ta mère, c'est ce qu'il a inventé. Ça s'en fout du drôle. Sérieusement ? Mais vas-y, nique ta mère ! Mais d'où il fait ça, lui, ce fils de pute, là ? Qui fait ça ? Là, je lui ai mis une énorme tête à mon pote. Oh, je suis désolé. Vigil, behind you. Did you see that? There is absolutely nothing. Be advised, Op 4 has visual on the hostage. Oh, je vais mettre un gros fils de pute dans mon genre. J'aime pas qu'on pouvait fuse à travers le Azami. Fuse à travers le Azami. Ah, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Vas-y, là, ils font quoi? To the left of the reinforcement. Yeah. To the left, to the left! Oh my god! What a professional gamer! Oh, no, never mind. Ah, le bâtard. Ouais, le bâtard, ça passe pas, hein, visiblement, hein, Vidix. Hein. Vas-y, essaye encore. Hein. Essaye, enculé. Hein. Vas-y, je vais l'autoriser, ton bâtard. Hein. Pète-moi le cul, Giroud. Ah ouais. Quand même. Oh, Washington est parti, merde. C'était mon plus grand fan. Eh, c'est quand les matchs, là? C'est quand le match? Du coup, je vais même pas pouvoir streamer. Oh, il est trop stylé, le truc derrière lui. Cette violence. Violence. V-I-O-L-A-N-C-E. Ouais, t'avais une chance sur deux. Bien wesh. Cette violence dans l'orthographe aussi. Not this one. Non, Mikey! Look, it's a power position. Yeah.
Ouais, c'est une power position ça. Putain, les gens ils sont débiles. Les gens sont débiles. Ok, je fais mon autre spawn kill. Prêt. Faut que je le fasse à gauche de la fenêtre. Qu'est-ce qui vient de passer là? On est à la top already. Attila, il est actif. Where is the Monte? Il a levé la tête, c'est moi. Reloading. I know, right? The hostage! He has the hostage! Les gens qui te corrigent aussi, ça saoule bien. Les gens qui te corrigent aussi, ça saoule bien. What? Qui te corrigent sur l'orthographe? Mais non, mais ça, c'est parce que vous êtes des petites victimes de la vie, ça. Ça, c'est parce que vous êtes nés avant... Vous êtes nés après les années 2000, les mecs. Et ouais, mais franchement, moi j'aime pas qu'on vienne me corriger. Franchement, tant qu'on m'a compris, ça va. S-A-V-A. Non. Non, 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 non. Non, merci pour les 3 mois, Xico. Non, 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 non. On vous corrige pas, ok? On vous corrige pas. On fait de vous des meilleurs... des meilleures versions de vous-même. Si vous êtes même pas capable d'écouter ça, comment voulez-vous devenir meilleur? Vous allez jamais devenir meilleur. Et donc après, vous allez arriver sur un marché de travail compétitif où vous allez dire « Je comprends pas, j'ai fait un burn-out !» Ouais, mais frère, t'as commencé hier. Ouais, mais burn-out, une journée. Ah ouais, mais bon, c'est sûr que bah, forcément, dès qu'on te disait un truc, t'étais en mode « ça va pas ». Je serais curieux de savoir il y a combien de 2000 ici. C'est quoi votre âge? Indiquez-le sans mentir. Ouais, c'est sympa sa casquette. Hein. I love your cap. 16. Boiteux 16. Frère, mais... Il y a un 17 les mecs 17 est officiellement normalement l'âge auquel tu détestes la Soulty Academy. L'âge peau grasse là. Il y a pas mal de 2000 ici. Je vais tenter un travers exactement. Oh merde, je peux pas en français. What? Il est où le mec? Cavera! He's dead!
Je suis nul. Aïe! On my body! One here, on my ping. Nice try! Il est con comme une top quand même. Oula, lui il est fort. 48 Corduna CG, t'as 48 ans, 64, mais arrêtez mon gars, l'autre, j'ai 64 ans, le mec il s'appelle Chiche. Eh, rien, même pour les 2000 Chiche, c'est déjà trop. Non. Chiche. God damn it. J'ai pas spécialement une peau grasse. Par contre, oui, j'aime pas la Salty Academy. Putain, fils de pute. Je le savais. T'as 17 ans. Bah, je savais. T'as 17 ans, mec. C'est normal. C'est normal. Tu l'as mis dans ta bio sur, sur Twitter ou pas? 17 years old. Tu l'as mis ou pas? Dis-nous tout. Keep playing as a team. Non. Non mais sérieusement, indiquez votre âge, mettez un tiret du 6 et indiquez quel est l'âge à droite que vous considérez comme étant le pire des âges. Une peau grasse, grâce à ses parents. Salut le plus beau, c'est Grimdal. Je te remercie encore d'avoir répondu à mes MP Discord et de m'avoir aidé. C'est vrai ? Attends, c'est quoi Grimdal? Je t'ai aidé, moi? J'aide les gens, moi? Non, moi, je suis un fils de pute, moi. 17. Hein. J'ai 18 ans et je pense que le pire, c'est 14-15. 23, 16, 20, 29. À partir de 29 ans, tu deviens con. What the fuck? On va te faire enculer. Hein. 23, 15. 19, 14, 15. 21, 16. 21, 16. 17. Mais c'est bien 17, non? Ah, regarde. 26, 16, 17, 32, 16, 21, ton âge, oh le fils d'up, 33, tout ce qui est avant moi, 32, 39, pire âge, 60, 32, 16, 38, c'est pas le bel âge, fils de pute. Mais les 16, 17, c'est vraiment les pires, ouais. J'ai rien dit, je ne fais que lire le chat. Rares sont les personnes qui, au final, ont défini le pire des âges comme étant un âge supérieur au leur. Je ne fais que constater. Si moi, en crise d'adolescence, t'as envie de caler des baffes. 26 et 26 et encore 26. 40, après tu bandes plus. Pff. Non, 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 ta mère. Eh bah, on l'a pas encore atteint. Tu ne peux pas juger une pomme sans l'avoir mangée. Mais alors, tu peux le voir chez les autres. Tu pourrais très bien dire, à partir de 60 ans, les gens sont cons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Yo Xico, merci pour les 3 mois. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça... Chiche, je sais pas pourquoi ça... Déshonorable. Ah bah ouais les mecs. Ubisoft même pas, c'est pas nouveau. Merci Riri. Ah non, c'est pas Riri. C'est Chiche, merci mon poulet. Mais c'est Ovora qui t'a offert. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas à gauche. Tu dois être blacklisté chez nous. Merci Over Gamer de lui avoir offert ses droits de scolarité. N'oubliez pas, tout nouvel étudiant en campus de la Salty Academy peut faire point d'exclamation CHARM, charme, sans le E. Et il aura, du coup, le charme de la Salty Academy gratuitement. What's up, team? What's up, bro? Holy shit, dude, stay off the drugs. What? Don't pinch your balls when you talk into the mic. Man, that's pretty rude, actually. That's my normal voice, eh? Oh, yeah, right. What the fuck, man? Use your drone to locate a bomb. I was born with a syndrome, all right? That's not really funny, all right? It is, it is.
No, it's not. It's called the Gaylord Syndrome, huh? Fuck a Gaylord. How did you know? Yeah, that's the name. Oh, l'approche de l'âge con, le voici, NDR. Alright, they gotta be downstairs in basement. They're not upstairs in first or second floor. Yeah, let's go, let's fuck them. Yeah, let's fuck them downstairs. Merci Zoclaev d'être abonné sur YouTube, t'es un monstre pour les... Et merci Reito Era pour les 7 mois de pré-scolarité, un monstre aussi. On peut pas aller downstairs par là? C'est con d'ailleurs. Faudrait que tous se rejoignent ici. Lui il est mort dans 3, 2, 1, ils sont morts. Non? Good news, you can shoot the cams. Can you? You can shoot the camera. Ça c'est de la cam les frérots. Hein. I'm drowning in the main. There is one guy under. Oh non, that's you. Okay, let's go. Roger. Let's go fast, okay? Let's go on the hatch. Come. No, running, running, baby, running. Ah! Il est où? Il est caché derrière l'ennemi! Putain! Jeez, I thought that was a Valkyrie. Yeah, me too. Ying 200 IQ. Pire Ying. Et l'autre jour, j'ai essayé de le remettre le truc sur une porte ou sur un plafond, ça marchait plus, moi je croyais. For real. Stairs. On your friends, buddy. Faut charger les Ying à fond. One clip pistolet 6-4 sur TikTok. Il met même pas one tap. Il y a trop de bruit là. Wow. Elle s'était fait un château de cartes. Hein. Un château pour les enfants. Yeah, what a f- E6-4, tu es un bon. Ok. Merci. MPFR02. Ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes allés tous voir la vidéo sur YouTube? Est-ce que vous l'avez liké? Est-ce que vous l'avez commenté? Est-ce que vous nous aidez à aller to the fucking top, bande de petits bâtards? Je sais pas quoi jouer. Je vais jouer Sens, ça fait longtemps. Moi ouais, je l'ai bien aimé. Ah! Nouvelle vidéo? Ouais, elle est sortie à 17h. Mais je croyais qu'en étant abonné sur YouTube, vous aviez accès aux vidéos en avant-première. Vous pouviez les voir avant les avant-premières. Peut-être que j'ai mal fait mon truc des tiers sur YouTube. J'ai envie que les personnes qui prennent un tiers sur YouTube puissent avoir les trucs en avant-première. C'est pas déjà le cas? They gotta be up on second floor, east side, I think. Pas de doute. Le GPS, quoi. Okay, on the left, there would be a roundabout and the second exit. Ah ouais, nouvelle vidéo, vraiment cool. Ah, vous avez mis un commentaire au moins, plutôt que de me le dire ici? Ça me fait plaisir ici, hein. Mais le commentaire sur YouTube, ça fait plaisir au monteur. Qu'est-ce que tu penses des annonces R6 eSport? Prends l'information YouTube, poulet. Je vais faire une vidéo dessus. Pour en parler. I don't know. You reinforce the hatch? What the fuck? Close right. Drone for you.
Attends, mais... Vous pensez pas qu'il y a possibilité de balancer un C4 pour un mec qui vient jouer là? De la fenêtre du haut? Non, c'est un peu trop... You can put a OZA. Oh, fuck. Pas vraiment là, mais... Oh my god, November! On mapping, 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 mapping. On mapping. Nice. Got him. November, je l'appelle. Putain, c'est chiant de pas pouvoir appeler les gens par leur pseudo. En fait, c'est le seul truc qui est relou. He was blinded by the night. Hey, my first kill, all right. Il est content de jouer au jeu, lui. Hein. Mais je sais, Spinkso, je le sais qu'ils peuvent pas se reconnaître et qu'ils savent pas de que je parle d'eux quand je dis November. Je le sais bien, je le sais bien, je le sais bien. Mais c'est un réflexe, c'est un réflexe, c'est un réflexe. Yo, c'est go. Yo, bien. Oh. Vous aussi, caille chez vous, quoi. Putain, c'est quoi ce bon site? Il est incroyablement... Mais en fait... De fou. Ah mais c'est deux. Ah je pense que c'était un truc à trois moi. Ça c'est un fat wall. Hein. Oh y'a pas le vent, ça va. Il fait moins 6 là. Mais vous t'habites où mec? T'habites en Sibérie ou? Why can't we be friends? Why can't we be friends? On peut pas enlever le... Ah mais il est là le problème, si l'autre il prend pas l'escalier, en revanche je peux rien faire frérot. J'avais trop peur qu'il y ait un mec qui bouge dans l'escalier derrière moi. Ah ouais, bah ouais. On mapping, one on mapping. Glaz. Glaz, il va se prendre le trap de France. Je te... Ah putain, j'ai eu trop peur de l'escalier derrière, du coup je me fais niquer devant. That's Maverick. Far away. Je vais faire entre 10 et 12, je pense. Moins 3 dans le nord. Je suis dans le nord, ça caille à mort. Ok, Google, quelle est la température? La température actuelle à Nantes est 2 degrés. Les conditions de vent actuelles, la température ressentie est de moins 3 degrés. En raison des conditions de vent actuelles, la température ressentie est de moins 3 degrés. J'avais jamais entendu ça, qu'elle disait ça. On my ping, one. Maverick. Yeah.
He's down. Oh my god, I didn't know. Oh shit, guys. Good luck. What happened? They planted. Coming. Moins 5 dans le nord. Maintenant, moins 7. Putain, la vache. Eh, on est d'accord qu'il y a encore un mois, on était en train de se balader à poil en t-shirt, là. C'est il n'y a pas si longtemps, non? Moins 3 en Allemagne. Qu'est-ce que tu fais en Allemagne, Wurz? 1v1. 1v1. You need to go. Outside the bridge. That's right. Nice try, man. Je le fais toujours, même s'il fait froid. Il y a un mois ou deux, oui, MDR. J'avais les mains bleues après la sortie des chiens. Il fait moins 2 là. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à revoir mes prétentions de vouloir un chien à la baisse. Mais hier, en re-regardant Once Upon a Time in Hollywood, j'avoue que le chien de Brad Pitt... Même si j'aime pas les types molossoïdes, là, peut-être que ce serait moins compliqué qu'un malinois au final. Il est beau quand même. Mais les oreilles sont cut, quoi. Ça doit être chaud, ça. Cut les oreilles, quoi. Cut les oreilles, cut les queues et tout. Enfin, c'est chaud quand même, les chiens. Bon, on parle à des gens qui sortent en t-shirt alors qu'on est en décembre et qui fait moins 34. Ouais, moi je le fais, ça m'arrive. Ouais, quand on est breton, c'est normal, tu sais, on a connu la guerre. Je ne sais pas comment défendre ce bon site, il est très compliqué. T'es obligé de jouer du gros bandit tricks là-dessus parce que tu peux pas le défendre ce truc en fait. Tu peux pas être proactif vers l'extérieur. Enfin si, tu peux renforcer qu'un côté et mettre des shields. C'est ça qu'il faut faire. Et protéger les shields par des Jaegers. C'est les poils le truc le plus casse-couille. Ouais mais en quoi là les poils ça a à voir? Ah ouais, j'y crois vachement, toi! Refais-nous voir ça! Vite, je vais le chercher! Ok, d'accord. Vite, faut que j'aille le tuer, vite, c'est 6-4! Oh my god. Il n'y avait pas de drone. Yo, Roanosaur, comment ça va pour les 26 mois? Bien ou bien? Chez! Non, pas du spawn kill, c'est mal. C'est toi, Being Useful? D'accord. Je te banne, du coup? Parce que t'es jamais passé ici, toi. T'avais déjà pris un ban, en plus. Ok. Tu vas prendre un petit ban temporaire. Hein? Voilà. Next time, ciao, quoi. Oh my god. Il est bourré, lui. Non, mais c'est sûr et certain. Bref, on s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parzival, t'étais avec lui, non? Je suis pas sur PC. Ok. Je suis console. Ok. Allez, c'est pas grave. En avant. N'en parlons plus. On passe à un bon endroit.
Non mais moi je suis full déshonorable mec. Je fais que des Alt F4. Putain mais c'est vraiment le pire des bombes sites. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu une, toute une tripotée de... de gens qui arrivent au même moment là. Il y a la sortie des cours ou quoi? Oh, il est 20h, c'est pas possible. Might be already on site, hein? Yep, nice one. Aïe aïe aïe, on site, bro, I told you. Ouais, t'es sûr. On site, I told you. Qu'est-ce que c'est chiant, ça me saoule. Je me barre. Je vais attendre 37 minutes. Y'a un truc qui va pas avec le bomb site du bas là, où tu peux arriver sur le site en 2 secondes là, en pétant 2 murs ou en pétant une trappe là. A chaque fois qu'il y a un bomb site en bas là, c'est casse-couille, y'a pas les échanges, les trucs et tout. Le bomb site du haut il est vraiment cool, mais le bomb site du bas. Je sais pas. Tu peux même pas le défendre, il n'y a même pas de trou à drone, ni rien du tout sur les deux ouvertures qui donnent vers le... l'une c'est une entrée simple et l'autre c'est une entrée plusieurs là. Derrière le derrière le truc de Assassin's Creed là. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Comment ça s'appelle déjà? Sous-sol tu parles ou cuisine aussi? Sous-sol, sous-sol. Sous-sol, c'est trop relou à chaque fois comme bon site. Il est mal fait celui-là. Parce qu'en plus, il y a un mur qui est simple. Donc si tu mets du mute, du machin, du truc, de toute façon, les mecs vont le deny, quoi. T'es obligé à cet endroit-là de jouer un caïd en défense quasiment pour jouer la trappe du dessus, qui est celle qui est dans le main. Et... Ou alors... Ou alors t'es obligé de prendre le main et de t'en faire une safe zone délocalisée au niveau du main. Tout en sachant que si tu délocalises au niveau du main, t'as quand même une fenêtre qui est assez désagréable. Qui est la fenêtre Harry Potter là. Elle t'empêche vraiment de rester en bas dans le main. Après tu peux aller au niveau du catwalk. Mais au niveau du catwalk du coup tu le délocalises. T'es obligé de jouer au niveau de cette espèce de serveur là, je sais pas comment il s'appelle. Là. L'Animus, ouais ça ouais, merci. Je suis en stage, j'ai pas pu tester la nouvelle saison, elle est bien ou décevant comme beaucoup malheureusement. Regarde sur YouTube poulet, pour les informations YT. Je pense que l'avant-dernière vidéo y répondra. J'ai fait un condensé, je pourrais pas mieux le résumer. Et voilà. Je viens de faire une game avec Fuse. Putain, son AK est trop bien, me rappelais plus. Bah, son AK est devenu en plus vraiment bien quand Ace est sorti. En fait, c'est la même chose qu'avec le P90 de Solis. Le P90 est devenu vachement mieux depuis que Solis est sorti. Donc, du coup, de facto, tu te rappelles des mecs qui avaient cette arme avant que le perso qui utilise cette arme recyclée soit up. Là, c'est worse hein, de jouer un Rook hein, en ce moment. Rook P90, en plus, il a le 1.5 dessus. Il y a moyen de coller des petits trucs. Hein. Ouais, le P90 sur Rook, c'est pas mal. Ouais. Surtout qu'il a le 1.5, ce que Solis n'a pas. Si
Six, tu m'abats à tort. Je suis en train de réviser mes examens. J'ai le même pape sur Rainbow Six. Ouais, mais t'arrives en disant « chais, mon gars ». Donc là, je te dis « chais ». Tu vois ce que je veux dire ? Quand bien même. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'arrives, s'il y a une suspicion de stream hack et que je dis « putain, ça me casse les couilles » et que le premier truc que t'arrives, qui c'est « chais, chais » et que tu spams dans le live et que tu fais ton petit fils de pute, hein, viens pas après dire « oh non, mais franchement, c'était pas moi qui étais en face ». Mais mec, ça te comporte pas comme un gros con. C'est aussi simple que ça. Et remercie-moi du coup, visiblement. Vu que t'es en examen, t'as rien à foutre sur Twitch. Va réviser. Rends-toi service. Je viens de te rendre service. Remercie-moi. Tu vois, je suis un mec bien. Je pense à toi, je pense à ton avenir. Comme ça, peut-être que tu pourras être useful. Being useful. Nom de Dieu. Alright, allez, let's go, lance. J'ai encore du mal à comparer l'alcool. La cog, merde, pas l'alcool. Mopiz, j'ai la crève. T'as quoi ? Ah, en même temps, il fait moins 12 dans le nord, apparemment. Aïe. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir la crève ? C'est ça le truc. T'as niqué dehors ou quoi ? Moins 2 à Dunkerque. Ça fait 3 jours, j'ai ultra mal à la tête, yeux qui brûlent, fatigué. Ah, ça, je pense que tu vas mourir, moi, Pizan. Ah, je veux pas être défaitiste, mais je pense que c'est la mort. C'est la mort bientôt, ça. Ouais, je pense que tu vas décéder. C'était cool, n'empêche, les héros d'Oregon. Franchement, c'était cool. Merci, hein, merci d'avoir participé, mon Pizan. Vraiment. Vas-y, mais lance une game, là. Si proche d'un coaching. Ça, j'avoue, c'est quand. Ça, faut que j'aille enlever ma veste, les amis. J'arrive. J'ai trop chaud. Et je vais aller chercher de l'eau aussi. J'ai ma tête.
Badam bam, I'm back. Il est mort comment lui? What? Friendly last operator standing. Il est mort comment le mec au-dessus de moi là? What the fuck? Il est mort comment le mec qui était dans le coin là? Oh l'eau est pas assez fraîche, merde. Yo Lexi, comment ça va? Merci Zoyambi, t'es un monstre poulet. Merci pour tes 38 mois de frais de scolarité. Bon, vous avez prévu quoi pour le 25? Match point, ah ouais, y en a un qui a dit. Okay. Ça sent la merde en face. Oh, un mec en 5Z. Ça prend des shields. Aouh! T'as vu ma métaphore, Six? What? T'as fait quoi en métaphore? Tu fumes trop aussi, pas comme un tigre. Ah oui, j'ai tous comme un ours, pas comme un tigre. Ah, le tigre sur le poster! Non, non, c'est de la merde. Ne refais jamais ça. Continue de faire des subgifts. Laisse-moi l'humour. Hein? Hein? T'es gentil, le guise. Merci. Non, plus haut. Ah, plus haut. Ok. Ok, on va aller voir parce que là, c'était vraiment de la merde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il en est fier en plus. T'es en train de me faire remonter, donc j'espère vraiment que ça va être drôle. Et putain, la vache, c'est de la merde. Plus haut où? Il devrait planer le diffus pour se moucher. Il devrait planter le diffus pour se moucher. Fait qu'un peu le ban là, genre 10 minutes, qu'il aille prendre l'air. Non, mais là parce qu'il est l'un des plus gros contributeurs du campus, il commence à se permettre de faire de l'humour de merde là. Et quelqu'un dégage là, genre au casse ou quoi? Ah, c'est chaud. I'm so sorry, bro. I'm sorry. There is one back, there is one. I'm napping, bro. Operator standing.
Let's go. Magma, c'est un moyen. Bah chill. Nice bro, nice. Je sais. J'ai failli rater comme une merde quand même. Oh. Bon alors vous faites quoi pour le 25 là? Paella le 24 à midi. Paella. La fameuse paella de Noël quoi. Ah ouais, y a plus rien qui va ouais. Ouais. Bah pareil. Moi, je pense que je vais commencer avec une petite pina colada. Hein. Franchement, tu vois, dehors, sur la terrasse, on sera bien. Il fera moins 7. On sera bien, tu vois. Petite pina colada Bermuda. Ok, ça va être le début de soirée. Derrière, on a prévu un barbecue. Petit barbecue de brochette à l'extérieur. On sera plutôt pas mal, je pense. Voilà. Et ensuite, pour terminer, spécial dédicace à Noël, tiramisu. Après, un petit gazpacho. Pour terminer, ouais. Ah, un truc bien frais, j'aime beaucoup. Vas-y, being useful là. Bon, bah, t'as trop trollé, mec. Désolé. Au revoir. Salut Six, comment vas-tu ce soir? Bah, là, je viens de ban un blaireau. Donc, je me sens bien mieux. J'ai ma petite puissance, tu vois. Je me sens mieux là. Je me sens bien. Je me sens fort. Ça comble mes problèmes d'impuissance, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir la cam ici? Oh oui, c'est de la merde, ça. Putain, mais les cams de bâtard, là. C'est les cams de bâtard. Là-dessus l'autre hein? Ah ouais. Ok. Les potes sont débiles. What? Don't pick. In the right, Tetra. In the corner. You break the... Left. Secure and package. Secure the hostage. No! Y'a plus de balles! No! Plutôt dinde ou plateau de fruits de mer? Plutôt dinde ou plateau de fruits de mer? Moi, 100% dinde. J'aime le bleu, j'aime le poulet, j'aime la dinde, j'aime la viande qui fait pas grossir. Plateau de fruits de mer, c'est toujours... T'as les mains qui puent la marée, ok? Tu te coupes. T'es là pendant 7 heures en train de... Un gramme. Je supporte pas ça. C'est l'inefficience absolue, le plateau de fruits de mer.
Ah, c'est relou en fait. Autant bouffer de la moutarde, tu vois. Autant bouffer de la mayo avec du pain, en fait. Beaucoup plus sympa. Il est bon ce crabe. Ouais, enfin là, c'est de la mayo que tu manges, en fait. Non, sérieusement. Tu sais, c'est vraiment. En plus, pour bouffer quoi? Des bigorneaux. Les bulots. Les bulots. Les crottes de nez de la mer. Tu sais, ton truc, quoi. Tac, gros Mickey, là. Les huîtres. Ai-je vraiment besoin de rappeler à quoi ça ressemble? Des huîtres dégueulasses. Après, il reste quoi? Alors, t'as les crevettes, ça c'est bon, tu vois. T'as les langoustes, mais les langoustes, tu sais, tu te casses les mains dessus, tu sais. Ah ouais, elles sont bonnes, mais bon, tu veux pas les décortiquer, ce serait mieux quand même, tu vois. Il reste quoi? Les crabes. Les crabes, c'est pareil, mon gars. Y'a rien à bouffer dedans à chaque fois, là. Le truc, franchement, c'est une chasse au trésor, le truc, sérieux. Les huîtres. Mais les huîtres, c'est dégueulasse, les huîtres, mec. I'm sorry. Les huîtres, c'est infâme, frère. Non. Ah, c'est ma spéciale, celle-là. Celle-là, elle marche toujours, celle-là. Tout à l'heure, on a fait la même. Tu viens te mettre là, t'es trop bien. Le mec, il peut rien faire à chaque fois sur ses petites sorties de bâtard, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ça va? Go take the attack! What the fuck? Go! Run away! GG! Il aurait pété, il aurait pété. GG toi, tu t'es sub? No bro, only follower. Yeah yeah, oh bro bro. C'est quoi cet accent là? Arrête de te la raconter. C'est qui Red Mocha? Pourquoi il a pris un gros ban dans sa gueule là? C'est parce qu'il était avec moi? Sur ce sujet, 6-4, tu manques d'objectivité. Sur quel sujet? Le sujet des plateaux de fruits de mer? Tu joues quel canon sur Twitch? Dis pas au mode de chill, hein. Ils ont des directives Red Mocha. Fais gaffe. On a le ban facile ici. Les fruits de mer. Non, franchement, les fruits de mer, c'est cool, tu vois. Mais c'est pas le... Je sais pas. Moi, j'aime bien l'efficacité, tu vois. J'aime bien un truc bon, efficace. Et j'aime pas la cueillette, quoi. Les fruits de mer, c'est un peu ça, quoi. Faut le truc de décortiquer, t'en fous partout. C'est pas efficace, quoi. C'est pas efficace, les fruits de mer, tu vois. Tu peux pas débattre avec quelqu'un qui mange du foie gras. Quoi, vous mangez pas de foie gras? Tu nous as pas dit ce que tu fais, toi. Pour le 25? Bah, je vais streamer. J'ai pas de potes, moi. Pas de famille. Pas de famille, pas d'enfants, rien. Comme un vieux blaireau. Je vais faire un stream de Noël. Et je vais me déguiser en vieux. Rouge. Je me déguiserai en Père Noël. On fera gagner des giveaways. Super. Ça me fait vomir le foie gras. Mais ça, c'est parce que t'es une putain de... Ça me fait vomir le foie gras. Qu'est-ce qui te fait vomir? C'est un truc qui est tout mousseux, à la limite du visqueux, tu vois, mais un peu ferme. Et quelque part, c'est bon, tu vois, c'est une bonne cirrhose du foie. D'un animal qu'on a torturé
pour que tu puisses manger un truc comme ça. Je vois pas ce qui te dégoûte. Le caviar, c'est mieux. Non, mais le caviar, c'est bien avec des blinis, ok ? Et avec un petit peu de crème fraîche, tu vois. Mais sec comme ça, tu vas pas manger du caviar, tu vois. Marron ou foie gras ? Eh, marron, j'aime bien. Franchement, les marrons, j'aime bien. Avant, j'aimais pas. Mais tu vois, marron avec de la dinde. Oh là 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 là. Des marrons et la dinde, là. Marron, dinde, pommes de terre, haricots verts. Bonne petite moutarde à l'ancienne. Bon, alors là, c'est bon. Voilà, quoi. Six, le vegan. Toast au saumon ou toast foie gras ? Ah, je préfère le saumon. Ah, y a rien au-dessus du saumon. Saumon ou truite fumée, franchement, ça a le même goût. Je m'en bats avec, moi. Petit toast saumon, là. Bah, bah, bah. 90€ le chapeau des ouf cette année. Ah ouais ? Attends, un chapon, c'est quoi, déjà ? C'est pété, le caviar, Six. Fais pas genre, Slul Barbu. Eh, hey, Slul Barbu, arrête de nous faire genre, c'est pété, le caviar, Six. T'es même pas abonné, ok, là ? Hein ? T'as jamais mangé de caviar de ta vie, mon gars. D'accord ? Un grain de caviar, à l'heure actuelle, c'est le prix d'un abonnement. Donc, fais pas genre... Non, mais moi, le caviar, j'en mange tous les midis. Hein. Et le mec, il a même pas claqué son prime. Fagot d'haricots entouré de lard fumé. Eh, hey, fagot d'haricots, du coup, il comprend fagote, le truc. Hein. Il croit que tu m'insultes. Hein. Je l'autorise, t'as même pas le droit de le dire, quoi. Bravo, Twitch. Félicitations. Imagine, je prends un ban parce que tu m'as dit fagot d'haricots verts. Bûche glace ou pâtissière ? Oh, la petite glace, là. La petite glace. Mais moi, je suis un peu... Moi, je fais gaffe à mon poids, tu vois. Franchement, j'aime bien les trucs. Souvent, quand t'as trop bouffé, tu vois, les glaces de Noël et tout, c'est cool, tu vois, mais... Je préfère, à la limite, une bonne salade de fruits pour terminer tout ça, tu vois. Je préfère me faire péter le bide sur un bon plateau de fromage. Que les trucs un peu... Voilà, quoi. They are good. They are good. We've been fucked. Bûche glace, mangue, ananas. Ah ouais, mangue, ananas, quoi. Vrai délire de Noël, le truc, hein. On y est, quoi. Hein. Tu nous fais rêver, là. Le Père Noël en Bermuda. Il y a moyen de faire un spawn kill ici. La vérité, c'est qu'ils devraient enlever les drones de jeu. Ouais, je sais, je l'ai dit. Au moins, les gens auraient le shooter qu'ils veulent, quoi. I'll be inside. Ok, I'm gonna drone. Wait, don't die! Don't you die! Just go one by one. Yeah, okay, the guy is exactly on my ping, bro. Exactly on my ping. It's for you, freak him. Just beefy him. Yeah, GG, bro! Ou alors vous parlez de caviar d'aubergine bien dégueu, que des fruits de saison. Un tube chocolat et hop, un tube chocolat. Un tube chocolat. Chier, quoi, en fait. Faire caca. C'est quoi ton meilleur cadeau de Noël, hein ? Attends, on est toujours en live ? Ok. Mon meilleur cadeau de Noël, honnêtement, c'est vraiment ma communauté. C'est tout le plaisir de pouvoir partager au quotidien une passion et de pouvoir continuer à vivre de ma passion au quotidien. Ça, c'est le plus beau cadeau de Noël. Que jamais, personne ne pourra jamais... me donner.
Vous êtes mon cadeau de Noël. C'est vrai ce mensonge? Non, pas du tout. Franchement, allez crever, bande de fils de pute. Hein? Non, franchement, entre vous et une bûche glacée, je prends la bûche. Hein. Si c'est une picard, ouais, je prends la picard. Bien sûr, sans l'ombre d'une hésitation. Spawn kill on my ping, exactly. You can fuck the guy. And I'm gonna do it! I'm gonna do it! Told you! Nice! I know! Guys. One on ping, on the ping. He can't leave. On voit mes yep là, hein. C'est ça qui est nul ici, tu peux rien faire en fait. Get off! No, you can't go here! Tu peux jamais aller là en fait. Come with me. You ready? Go first. Go! Thank you. Wait. I got you. Are you dead? Sorry. Ah, le fils de pute! Il a pas hésité. Lui, c'est un bon, lui. Ok, j'y vais. I know. There is no chill on round number 6, bro. You have to be 100% focused. I'm sneaky, I guess. I've just lost my eardrums. Shit happens. Le premier, je me baigne dans la mer du Nord aussi. I'm sneaky. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, pourquoi elle a dit ça, ce fils d'up. On retente le spawn kill ou quoi? I was here to loving you, baby. Non, castle, non! Castle, non! Loading new
Le premier, je me baigne dans la mer du Nord aussi. Comment il m'a entendu à droite, là? Ouais, j'ai peut-être fait du bruit en arrivant. La grenade, elle était tellement pixel sur WAM, là. Pas grave, ils sont forts. Mes potes sont forts. Mes potes sont trop forts. Bûche viennoise, là. C'est quoi des bûches viennoises? C'est quoi des bûches viennoises? Ah, les bûches jaunes, là, avec du chocolat à l'intérieur. Ah, les brioches, on appelle ça. Ouais, normalement, nous, les gens riches, on mange ça au petit déjeuner. Hein. Mais peut-être que, ouais, pour vous, c'est un gâteau. Ouais, ok. Oh, ça s'appelle une brioche, en fait. Avec des pépites. Brioche viennoise. Ah ouais, chez vous, vous en faites ça une bûche? Ah ouais, d'accord, bah dis donc. Noël doit être fun. Fortify the room. You need to keep the hostage secure. Petite brioche vendéenne, là. Avec des pépites de chocolat. Bon, oh, je vois. On va tenter un autre spot kit. Lui sur le live, ce fils de... C'est la Nox, ça. Oh, il y a Matix qui rajoute du temps dans le sub-bâton. Merci, mon poulet, pour les 5 personnes à qui t'as offert des droits de scolarité. Merci, mon poulet. Vraiment, vraiment, ça me touche énormément. Alors que je vais te faire un spawn kill maintenant. Personne passe par là. Ah, ils connaissent tous le spawn kill, les mecs. Insulte et tout, you fucking muppet. Easy. Easy, busy. Subscribe to my channel. I'm Pengu, but French and better. Merci à Mgrois pour les 43 mois et envoyez plein de GG pour Amatic, s'il vous plaît. Il vient d'offrir la possibilité à Benjamin, j'imagine, ou BMJJMJMJMJM. Moussaï San, Nico Ptibur, Suprême, Jock, leur droit de scolarité. Merci Maxou de t'être abonné sur YouTube aussi. T'es un fucking monster, bro. Vous êtes des monstres, les amis. Genre, vraiment. Vraiment. Tu fais du sport, Six? Franchement, j'aimerais dire que oui, mais en ce moment, c'est un peu pathétique, quoi. Non, mais je suis très content d'avoir acheté des bonnes pompes. Ça fait depuis le mois d'avril que j'avais des gros problèmes de yep. Parce que j'avais des pompes pourries. Et Younim, ici présent, enfin, pas là, mais qui passe souvent sur le campus, m'avait dit, ça vient de tes pompes. Et j'étais un peu vénère, pour la simple et bonne raison que j'avais acheté des pompes. Des Merrell, donc des bonnes chaussures de rando, mais bon, voilà quoi, je me suis dit putain, peut-être qu'il a raison, au final ça vient peut-être des pompes, j'y croyais pas, j'ai tout essayé, tout, et c'était très très dur, et donc hier je suis allé faire un petit test, un petit 8 km tranquille quoi, mais bon il faisait froid quand même, mais c'était cool, et
Et j'ai testé les nouvelles chaussures que j'ai achetées. Et elles sont parfaites. Enfin, sur 8 km. Donc après, à voir pour faire des petits 20-25 km, ce sera cool, quoi. Donc de la marche. Et l'airsoft. L'airsoft où tu cours comme un enculé, quoi. Avec beaucoup de matos sur le dos. Voilà. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur qui vient de sortir. Vous allez voir. On court un peu, quand même. Quoique dans celle-là, est-ce qu'on a couru beaucoup? C'est laquelle? Ah, si, si, si. Ça fait un petit footing, quand même. Hein? Ah oui, et effectivement, Defman a raison. Tous les soirs avec ta mère aussi. Ouais, c'est bon, c'est... Voilà, quoi. Hein? Enfin, c'est elle qui parcourt pas mal de kilomètres. Hein. Bon, après, j'accompagne. Game full. Ok, merci Rainbow Six. T'as surtout couru à la fin. Eh, hey, Dofix! Arrête! Je cours tout le temps dans l'airsoft, d'accord? Je suis en mode bam, 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 tac, 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 ok? Tout le temps, regarde bien. Regardez bien, je suis celui qui court tout le temps le plus, quoi. À chaque fois, j'ai des mecs qui font... Out! Je retourne au spawn. Moi, j'y vais, je suis en mode... Bim, bim. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des chiens copiques et tout, en me décalant. Ouais, ouais. T'as surtout couru à la fin. Quelle bande de bâtards. Continue les vidéos Airsoft, c'est vraiment un régal, j'adore. Bah écoute, on les continuera. Vraiment, ça fait plaisir en tout cas. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et un like. Ce qui nous aide beaucoup pour continuer à faire un type de contenu, c'est d'avoir le retour directement sur la vidéo. Voilà, voilà. C'est hyper important pour nous. Parce qu'après, bon, on va se dire, eh, bah, ce genre de format-là, ça marche pas, donc on arrête, quoi. Voilà. Un grand sportif, notre Six. Non, pas du tout. Keshua, quoi? Elles sont nulles, elle est nulle, ta blague. Il n'y a pas de chaussures Keshua. C'est camping Keshua. D'accord? Ça passe pas à Ville Coyote. Mais Decathlon fait des très bons trucs. Genre vraiment. Ils ont un très très gros budget recherche et développement. Donc on peut pas vraiment se moquer, quoi. C'est quoi déjà la marque de randonnée de chez Decathlon? Ils ont quoi déjà? Bon, ils font un peu de Salomon, ils font un peu de Merrell. Mais ils font pas des trucs du genre du Lowa, ils ont pas. Moi j'ai acheté des Lowa là. Annapurna? Non, pas du tout. Non, 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 non. Les vestes? Ah oui, les vestes, c'est du Quechua aussi. Mais les chaussures, c'est pas du Quechua. Weds? Non, Weds, c'est pas le vélo. Kipsta? Non, Kipsta, c'est le foot. C'est les chaussures de foot, Kipsta. Alors, il y a les trucs... Il y en a certaines qui sont un peu des chaussures de randonnée, mais c'est plutôt sur chasse qui sont les Sardaignes, Salomogne, Sardogne. Un truc comme ça, là. Ah, je sais plus. J'en ai une paire. Fort Class. Ah, ouais. Les chaussures Fort Class, ouais, je crois. Ouais, il me semble. R6 Tracker, t'es sérieux, Iken? T'as cru quoi, là? T'as cru que t'étais où, là, poulet? Iken, qu'est-ce qui t'arrive, Iken? R6 Tracker, frère! T'as combien de KD, 6? Tu t'es perdu, là, poulet! Quechua, c'est ce que j'ai pour sortir le chien. Non, mais franchement, eh, on se moque souvent et tout des trucs un peu made in France. Bon, là, en l'occurrence, c'est made in Vietnam, mais bon, pensez en France. Decathlon fait du super truc. Hein. Du super truc. Désolé, je voulais voir. Sologne, la chasse, ouais. Iken, non mais poulet. Va voir des créateurs de contenu qui font que ça, tu vois ce que je veux dire? No offense, hein. Genre vraiment. Va voir du Sky Tinley par exemple. Qui vient de passer champion. Je donne aucun exemple.
Bah dis donc, elle était belle ta déca le IQ. Tu veux venir me chercher là maintenant? Décathlon quasiment tout sport confondu. Rapport qualité-prix plus que correct. C'est très bon, Décat. Oh merde. Ah ouais. Batos pour débuter l'airsoft, au fait, c'est que c'est un bon site. T'habites où? T'habites où, frère? Frère. Fais point d'exclamation Discord. Appuie sur le petit bouton, le petit pistolet. Et posez vos questions sur Discord, les poulets. Dans le Vaucluse, MDR. Ah ouais, laisse tomber. Le Vaucluse, y a rien. Vous avez pas internet là-bas? Non, mais j'allais te dire un site internet, tu vois. Mais vous avez pas internet dans le Vaucluse. Non. Donc, non. Y'a pas. Laisse tomber. Oublie. Non, franchement, y'en a pas. Prenez sa place en Discord. Appuie sur le petit pistolet. Tu verras, y'a plein de gens qui s'y connaissent bien. Qui pourront t'aider, te filer un coup de main. Si t'étais sur Nantes, je t'aurais dit bah Arsenal Gun, c'est ceux qui nous ont sponsorisé cet été, qui sont très bien. Mais leur site est pas exceptionnel. Donc je vais pas te conseiller leur site. Waouh, setup double shield et tout. Attention, ça déconne zéro là. J'ai pris ma ghostette. J'aurais dû sortir pushé sur l'ouverture. Tu peux pas y rentrer ici. Hein. Les gens rentrent ici parce que c'est la porte la plus obvious. Mais c'est vraiment la porte la plus... la plus EV- de l'histoire du jeu quand même. Du Razor. Pour les informations, RC Settings Razor. Dans le Vaucluse, achète-toi un arc et des flèches. Non. Non, mais il y a pas mal de sites, franchement. Franchement, en termes de qualité, t'as Hop Store qui est pas trop mal. En termes de qualité. Mais un peu plus cher parce que très qualitatif. Vraiment, c'est un peu le matériel.net de l'airsoft, je trouve. Bon, ça n'engage que moi. Après, si tu veux, si t'as un budget un peu serré, y a des trucs genre Destockage Game qui sont pas mal. Jamais commandé, mais bon, tout le monde en parle. Hein. C'est un peu. En termes de parts de marché, je pense que c'est eux qui prennent un peu toutes les parts de marché de l'airsoft en France. All friendlies were eliminated.
Voilà quoi. À peu près. Ces deux là déjà, c'est déjà pas mal. En vrai, il y a beaucoup de personnes qui commandent à l'étranger, tu sais. Voilà quoi. Je peux pas mentir là-dessus. Donc t'as des sites comme... Alors t'as beaucoup de pénuries quand même. Ils ont un peu souffert, on va pas se mentir, du manque de... Du manque de... Enfin, de la pénurie, quoi. Il y a pas mal de trucs qui peuvent manquer, etc., etc. Mais... Des sites comme Red Wolf, qui est en Chine. Taiwan Gun, alors qui est pas à Taïwan, qui est en Pologne, il me semble. Mais Taiwan Gun, ça, c'est pareil. C'est moins cher, quoi. Après, le problème de ça, c'est toujours pareil. C'est un peu la roulette russe. Si tu commences à prendre des grosses commandes, ah, le problème, c'est que si ça passe la douane et que tu te fais contrôler, tu te fais enculer, quoi. Alors, tu te fais rien confisquer, hein. Mais du coup, ils vont te dire, ah ah, vous avez pas payé la TVA. Et donc, du coup, tu vas payer, genre, la... Enfin, je sais pas, c'est... Je crois que c'est la TVA que tu te prends dans la gueule. Tu te prends la TVA dans la gueule. Tu te prends genre 20 balles déjà de frais de dossier gérés par UPS. Parce qu'au moment où ça s'arrête à la douane, la plupart du temps, UPS fait quelque chose pour récupérer le colis au final. Donc eux, ils le facturent, ça. Voilà. Parce qu'au final, il y a une avance sur frais qui est, faite, quoi. UPS ou n'importe qui, tu vois, va payer la douane pour release le, pour libérer le colis. Ils prennent le colis, ils l'amènent chez toi et au moment où ils arrivent chez toi, ils font « Désolé, vous avez commandé pour ce truc pour 500 balles, mais il y en a pour 165 euros de frais de douane. » Et là, quand t'avais voulu faire des économies, tu te dis « Putain, au final, ça revient plus cher qu'en France. » Donc c'est toujours pareil, c'est toujours un peu à double tranchant, quoi. Je t'aime. Merci Fabrice. Mais prends un sub si tu m'aimes du coup. Lol. Moi, mon amour se paye. Where are they? Where are they? Loading your mag. Ils sont au top, visiblement. On mapping, bro. On mapping. Can you open? No? What's on the table in this room? Clap can. Get fusion drop hatch. There's a window behind you. Après, il y a le site de la boiserie Essential Airsoft, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Jamais entendu parler. Des stockage game, ça me semble bien. Je vais prendre petit à petit, je pense. Je n'ai jamais entendu parler. Ah, le truc, c'est que il y a pas vraiment des gros. Enfin, les trois que je viens de donner, c'est les plus gros, je pense. Et après, il y a pas mal de petits au final, quoi. Parce que il y a beaucoup de boutiques. Pour la simple et bonne raison que si les boutiques existent, c'est parce que l'airsoft, c'est pas une science exacte, tu vois. Et t'auras souvent l'envie de customiser, changer des choses. L'airsoft, c'est un peu comme faire du rallye amateur, tu vois. T'es souvent chez le garagiste. Enfin, pas souvent, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux, au final. Mais il y a un peu cette logique, quoi.
Et à partir du moment où un garagiste, c'est pas sur internet. Donc faut que t'ailles voir quelqu'un. Et souvent, ce quelqu'un, il a des pièces. Et en plus des pièces, il a des trucs à proposer. Et comme il a des trucs à proposer, machin, truc bidule, il a une boutique. Et comme il a une boutique, un jour il s'est dit, tiens, hey, pourquoi pas le mettre sur internet. Donc il propose des trucs sur internet. Donc au final, t'as plein de petites boutiques qui sont aussi qui ont pignon sur rue, mais qui sont aussi sur internet. Voilà. Mais c'est le cas pour plein de trucs, ça. C'est pas uniquement l'airsoft en l'occurrence. Plein de niches comme ça, un peu marketing quoi. En fait, c'est juste des vêtements de protection, non? Et des armes. Réplique. Faut pas utiliser le terme d'arme. Merci à M. Groin pour les 43 mois de frais scolarité. Vraiment. 43, c'est monstrueux. Réplique. Ouais, si tu veux, tu peux aller... En vrai, le seul truc dont t'as besoin, c'est une réplique. Des lunettes de protection. Et idéalement, parce que maintenant, ça s'est vachement démocratisé, presque tout le monde demande, des protections pour tes dents. Et forcément, les billes qui vont dans la réplique. Souvent, la réplique, elle marche avec une batterie. C'est pas toujours le cas, mais elle marche avec une batterie. Donc, il faut la batterie. Et souvent, cette batterie, il faut la charger quand même, c'est mieux. Donc, il y a le truc pour le charger. Ça, c'est le starter pack de l'airsoft. Tu vois ? La réplique. Allez, on va même pas parler du viseur. La réplique, les billes, un chargeur, la batterie, le chargeur de batterie. Les lunettes de protection, la protection pour les dents. Voilà. Après, avec ça, c'est bon, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux y aller. Les gens vont dire, ouais, mais faut ça, ça, ça et ça. Ça, c'est le minimum de base, en fait. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie, en plus, maintenant, ce qui est cool, c'est que les gens sont beaucoup moins... les gens là-dedans, dans l'airsoft, sont beaucoup moins casse-couilles par rapport à des tenues, etc. Alors, ça dépend. Il y a des trucs qui sont toujours très... très codés, si je puis dire. Mais bon... Si t'as envie de te faire un kiff avec un jogging Adidas en mode Killa dans Tarkov, la ref est sympa, tu vois. Donc bon. Des bonbonnes de gaz pour les PA. Non, mais les PA, t'en as pas besoin. Ça, c'est pas un starter pack, ok. Les bonbonnes de gaz pour les PA, c'est comme, je sais pas moi. C'est comme le bandeau, anti-transpiration pour le tennis, quoi. C'est optionnel. T'es pas obligé d'avoir un backup. Après... Ça peut être effectivement limitant parce qu'il peut y avoir des parties où on va te dire « Ah, désolé. » Mais il y a beaucoup de... Bah là, c'était le cas, par exemple, dans la vidéo. Il y a beaucoup d'immeubles, de CQB, du coup. Vous n'avez pas le droit d'y aller avec la réplique, quoi. Ou alors, si tu vas avec la réplique, tu fais gaffe parce que tu essaies de viser les jambes, quoi. C'est pour ça, par exemple, il y a un mec, à un moment, je lui mets un one-tap, là. Ah, je m'excuse tout de suite, quoi. Parce que tu sais que... Même avec des protections, ça tape dur, quand même. Ça tape un peu dur, quand même. Ah, t'aimes pas faire mal. T'aimes pas qu'on te fasse mal, t'aimes pas faire mal. Donc parfois, il peut y avoir des trucs où tu peux être limité parce qu'on va te dire « Ok, ici, il n'y a que le PA quand tu rentres dans les bâtiments, quoi. » Et puis en plus, pour travailler, c'est quand même mieux, quoi. Donc, quand tu te prends avec toi, ta réplique de 100 mètres de long, voilà, quoi. En soi, c'est peut-être plus simple de travailler... En soi, et encore, tu vois, on parlait de l'électrique. Le plus simple, je pense, c'est un snipe, en fait. Parce que t'as besoin de moins de billes, t'as un petit chargeur qui va avec, t'as besoin de moins de chargeurs. Bon, t'auras une lunette qui vient avec. Les billes t'en consommeras moins. En fait, je pense que le snipe, c'est plus économe. C'est vrai que j'y pense pas, j'ai jamais réfléchi comme ça, mais... Je pense que le snipe nécessite moins de consommables. Parce que t'es au bolt, quoi. Donc tu fais pam, clac, 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 pam. Voilà, t'as tiré deux coups, quoi. Dans ces deux coups, toi, t'as mis 4 secondes. Le mec en face avec son AOG, il a déjà envoyé 300 pruneaux, quoi. En fait, avoir un bon équipement, c'est avant tout de proposer du minimum, ensuite le vêtement lui-même. Ça limite le choc des billes quand même. Right, non, on s'en fout, ça.
Le choc débit, ça fait rien. Faut pas déconner. Le choc débit, ça fait rien. A might. C'est pas très douloureux le truc. Les dents, les yeux. Les dents, les yeux. Le reste, on s'en fout. C'est pas très grave. De la prendre qui fait mal aux gens. Ouais, ouais, tu t'amuses en short. Ouais, c'est bon. C'est comme si tu prenais une pichenette, là, comme ça, là. Ça fait mal sur le coup, mais faut pas déconner, franchement. Après, quand t'en prends 60 à bout portant, c'est clair que ça fait chier, quoi. Mais en général, les gens sont quand même... cool. Après, si tu vas... Il y a des endroits, c'est clair, genre à Paris, par exemple... Il y a l'air d'avoir des bons gros fils de pute quand même. Les communautés sont beaucoup plus grandes. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent à des endroits et qui ne se connaissent pas au final. Donc ils sont beaucoup moins respectueux l'un de l'autre, quoi. Alors que souvent, quand tu sors de Paris, t'arrives dans des considérations départementales et régionales où presque tout le monde se connaît, où tout le monde connaît quelqu'un, quoi. Donc tu fais pas de la merde, parce que vite fait, autrement, t'es identifié comme un gros fils de pute, quoi. Il aurait fallu que j'aille en haut pour faire un spawn kill. Mais vas-y, sois plus obvious toi encore, mec. J'y vais, on s'en fout du drone de Mozy. Vite, faut que j'y aille. Vite. Le petit backstep là en plus en haut des escaliers. Vite. 6-4. Et même si j'ai fait du bruit, le move est stupide. Vite. À droite, on sait pas ce qu'il y a dans le couloir. C'est pas grave, on sait qu'il y a rien. Ouais, ils sont marrants. Justement, j'ai personne de proche qui y joue. Mais après, je sais que ça va me plaire. C'est sûr et certain. L'ambiance, le contexte, la mise en situation, le bon stress et l'excitation en même temps, je sais que ça, je vais kiffer. Ouais, franchement, c'est cool. C'est un bon sport. C'est vraiment cool. C'est un loisir assez sympa, ouais, vraiment. Après, bon, c'est toujours pareil. Hein, c'est une niche. Et l'airsoft, c'est avant tout les humains qui le font, quoi. Parfois, ça arrive de tomber, à mon avis, dans des parties ou des régions où les gens sont pas... où c'est pas exceptionnel, voire même c'est pas vraiment développé, quoi. Ça arrive. Faut tomber dans la bonne région, quoi. Je sais pas ce que ça donne dans le Vaucluse, par exemple, tu vois. Après, limite, demande à un ami. Ouais, ouais. Pour les formations Discord, les poulets. Si vous avez des conseils... Il y a une partie là-dessus. Il y a la partie Airsoft pour ceux qui ont besoin de conseils là-dessus. Moi, partout en France. Je l'ai fait partout en France. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, à l'étranger.
d'ici quelques mois. Vous en saurez plus. Franchement, le truc, c'est que... En revanche, pour trouver les parties, Facebook. Il n'y a rien d'autre, quasiment. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, je sais. Hein. C'est vraiment old school, ce truc, mais c'est comme ça. Facebook, Facebook et encore Facebook. Eh ouais. Putain, je demandais tout à l'heure, c'est quoi le chien déjà dans Once Upon a Time, là, in Hollywood? Le chien de Brad Pitt, là. Je sais même pas ce que c'est au final. Faut que je regarde ce que c'est tout à l'heure. Là. Si ça va me plaire ou pas. Je vais être vénère si j'ai pas un malinois, je pense. Yo, Axel. Yo, Jaeger Bomb. J'aime trop Azami là, putain. Vas-y, mais réveillez-vous là, bande de blaireaux là. Je vous pose des questions dans le chat là, et vous êtes en train de dormir tous là ou quoi là, sérieux là? Il est quelle heure? 21h42, vous êtes en train de dormir. Bon, sauf le médecin, il est là. 43 mois de scolarité, voilà, lui, il se respecte, ok. Putain, je vous pose une question, vous en avez rien à foutre, bande de fils de pute, quoi. Yo, Zouzoupat, comment ça s'appelait? Bien, bien. C'est les vieux, c'est pour ça, à 15h42 chez moi. Ah ouais? Ok. Faut qu'on arrive à faire un spawn kill inventé, là. Ça va pas être assez. Pas assez. Plus petit que 3. Merci Glenou pour les 3 mois. Merci Thomas pour les 14 mois, t'es un monstre là. Je viens de regarder la vidéo Airsoft, c'est vraiment sympa. C'est Oregon votre map, non? Lol. Attends, c'était où? Oregon, le... J'ai pas la ref. C'était où? Ah! Oh non. Ah, le bar, ouais. Ouais. Ah ouais, le basement et tout. Eh, hey, mais c'est pas con au final. Merci Glenou, t'es un monstre. Merci pour tes 3 mois. T'aimes bien la nouvelle saison? Ouais, regarde sur YouTube, poulet. Pour l'information YT, j'en ai parlé. L'avant-dernière vidéo. Ça va et toi? Nickel. C'est un pit. Un pit, genre pitbull ou un pit... C'est un pitbull, le chien de Brad Pitt. Ah, est-ce que c'est parce que... C'est ça la blague? Si tu m'as fait une blague alors que t'es le seul à me répondre et tout, alors que je pose la question, il y a personne qui me répond parce que vous êtes tous des fils de pute! Bande bonheur! La map est quand même insane. C'était quoi avant comme endroit? Comment ça, avant comme endroit? Je sais pas. C'était une espèce de d'hôtel, salle des fêtes, un truc où ils faisaient des mariages... On voit pas une partie, il y a une partie qu'on voit très très peu, qui est une espèce de vieux motel, un peu à l'américaine, hein. Tout en long avec des chambres et tout, machin. C'est pas le truc le plus impressionnant quand même.
L'usine de Percy, l'autre vidéo d'Airsoft, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Pas la dernière parce que ça c'était à Nantes. L'autre que j'ai fait en Normandie. Ah, c'était glauque. C'était glauque. C'était vraiment terrible. C'était vraiment génial. Pour toi, c'est quoi l'agent le plus fort? Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu poses la question. On va y répondre sur YouTube. Point d'exclamation YT. On a fait une tier list de l'agent le plus fort qui va sortir bientôt. Non, genre vraiment. Ah, Percy, pour vous. Tu commences pas à monter vers champ, jamais. Merci Thomas. Si, en vrai, dès que la enquête sont intéressantes. Mire. Il est pas français lui. One more. Un de plus. Ouais, les mecs ils envoient tout quoi. Belle la grenade au fait. C'est vrai ou ça en... Je l'ai dit. Ah oui, j'ai répondu. D'accord, vraiment cool. C'est toujours avec les mêmes personnes? Non, jamais. Parfois tu rencontres souvent des gens. Hein. One on my ping. Exactly on my ping. Ping 3. Ah, that's the last one. Yana, ping 3. She's waiting for you. Don't pick Thunderbird. Waiting for you on my ping. Repeat, sorry. What repeat? T'as de te foutre de ma gueule, toi? I don't understand you, bro. What? With me, hey, bro. Where are you from, bro? He's with me. What? He's with me, bro. What are you saying? I can't hear you! No, it's with me! No! It's the fake one, it's the fake one! I killed the fake one, bro! No, it's the fake! Fuck you, man! And it was the real one, you're right. Je sais pas, vas-y, on verra poulet. My god! How do you miss that, bro? Oh no! It's a fucking shotgun! It's the real one! Where are you from, bro? Spain? Italy? Yes, Spain. ¿Qué has hecho? Hermano! Oh guys, I got a question for you. Can I ask? Yeah. Sure. Yes. Do you know Cizkat, the French monster player? Ferme ta gueule, toi. Ooh. On sait que tu nous as reconnus et je sais que tu m'as reconnu, toi. France? T'es qui? Je connais ta voix, toi. Tu me stream avec tes fils de pute. France is going to destroy Morocco. Je t'ai reconnu à ta voix, poteau. Ouais, tu me stream avec pas, t'es sûr? Direct, je t'ai reconnu avec c'est ta quoi ton pseudo voilà, avec ta Mbappé. Voix très très sexy là. Fais voir, c'est quoi ton pseudo? Mbappé. Oui, ta gueule toi, Mbappé, on a compris. Si, Mbappé, hey, oui. Ouais, estamos hablando en francés ahora.
Espera, un momentito. Bonjour. Espera, bonjour. Un momentito. No. Je ne parle pas français. Ah, si? Un français de puta madre, eh? Yeah, oui. Oui, fils de pute. Oui. How merci, do I Jäger turn bombe. Up the volume on you? Merci, poulet. Merci, Jäger, pour les 21 mois. What? Que, porque... How do I put you more volume? No. Ah, more volume. Ah, si. I don't hear you. De donde eres? Málaga. Maraba? Como el chicle? Como Cristiano. Cristiano Marabar? Cristiano Ronaldo es de Maraba. Sí, como Álvaro Morata. ¿Y por qué has perdido en Marocco? Pedri y Gabi. ¿De verdad? Te salvo, hermano, te salvo. Thank you, sir. You're welcome. Bien joué. You kill me, my friend. On va te regarder du coup. Il y a 300 viewers qui te regardent. I save you and you kill me. J'adore ce genre d'ambiance. Au fait, peut-être une question débile, mais qu'est-ce que le subathon ? Le subathon, c'est un procédé inventé par Gilles Sub il y a environ 6 ans pour soutirer de l'argent à des viewers un peu radins. Voilà quoi. Vamos, hermano. Ça va, poulet? On t'entend pas très bien. Ouais, excuse, mon micro il pue la main. Je viens de relancer Rainbow Six depuis au moins 3 mois. Je tombe avec toi, c'est incroyable. Ouais, bah. Bien, ouais, je le TK, hein, frère. Hein. Mais il est passé de mon nom, c'est pas. Non. J'y crois non, pas, ça. Je pense que t'es toxique. T'es dishonorable. Putain, j'entends rien quand les gens parlent. Non, je te jure, c'est Dieu, tu peux regarder. Tu peux regarder. Non, je plaisante. Second degré, tout ça. En avant. Faut qu'on gagne. We need to win. Tenemos que ganar. Sí, por supuesto. Vamos a romper el culo de esos. De esos filipollas. Sí, señor. No me sé el mapa. I don't know the map. I am new. Sí, pues... I follow you. I follow. Where are they? Pero... Don't kill me this time, please. Okay. Now we can't go here. Okay. Let's go. Where are they? First, where are they?
I don't know. I don't know the map. Okay, wait. I'm gonna run. Ouais, vas-y, t'inquiète. Vas-y, y'en a en bas. Basement, I think. Y'en a un, gauche, on mapping. Il est au bout du desk. Non, gauche. Nique-le quand il va passer. Et trois en bas. Venez. Non, not bro. Another one. Yeah, one more. I'm gonna plant, bro. Reloading. Got it! Mon dieu, le monstre! Bro, amazing. He's amazing, my bro. I know. Incredible. Yeah. I told you he was the best player in the French monster. I know. This is no Gotaga, this is Seascat, bro. I told you. Nah, Gotaga is a Pokemon player. You are the best. Gotaga is his brother, right? This time, help me with Yana. Au moins, ils bavent pas. Ouais, j'avoue. Andréal. Pour une fois que je me fais pas traiter de gros fils de pute. Don't lie to me, bro. What, K? Don't lie to me. For what? On Yana's bot. Yes! It's not Jonas, but yeah, no. Conoces Daride? El que? Daride. No. D-R-I-D-D. Es un streamer de Rainbow Six. Bon, là, faut qu'on défende le main. Necesitamos defender el main. Ping 3. No sé el mapa. Ping 3. Ping 3, where is that, my bro? Ping 3. El número 3. What? Necesitamos ping, defender what? El 3, el ping. Ah, el tren. No. Esto no es un tren. El 3, 1, 2, 3. 2. Il est défoncé là. Attention que ça push pas de l'autre côté hein. Be careful that they don't push from the other side. Give me not nervous. C'est top. Cours, six, cours. I got a blitz on me. I can't animate you. Up. I got one. Diffuse is on my ping. Electro sensor active.
Here. On me. What does your character do? Solis. GG! GG, yes. Poulet! Amazing! What a shot! Oh ça, my god! Toi, bisous les ça, poulets! Ça c'est grâce à toi! Vous êtes des monstres! Ouais, merci à toi! Ciao, ciao! Bisous les poulets! Love you, my bro! Hasta la próxima, tío! Bye! Amazing! Merci à Matix d'avoir offert la possibilité à Romek, Manu, The Fire, Dogma, Tuffer et Altfalzar leur droit de scolarité au sein du campus de la Solty Academy comme un putain d'étudiant qui se respecte. Merci à Matix, c'était un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Ah, ça fait plaisir d'avoir des personnes qui m'insultent pas. Frère, t'es rincé, frère. Frère, t'es rincé. Si, bah, ok. Yo, Rayville, comment ça va, poulet? Qu'est-ce qu'on voulait? Je sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais? I don't know. Je voulais les pisser. C'est moi, Unknown, sur la game. Merci, Unsub. Ça marche. Non, c'était cool. La game était cool. Mais j'ai pas les noms, en fait. Je savais pas qui est qui. Donc, c'est qui, en fait? J'ai pas les noms. Vu que j'ai le streamer mode, je vois pas les noms. Je vois pas les pseudos. Donc, Unknowns, pour moi, c'était sûrement Juliette ou Yankee. J'ai fait le kill de la fin. Ah, Mozi. Oh, merde, j'ai pas vu le pseudo dessus. Merci, Unsub, t'es un monstre, poulet. Merci. Non, merci à Matix d'avoir offert à Unsub ses droits de scolarité. Tu peux faire prendre sa façon charme, du coup, Unsub. T'auras le charme de la Solty Academy gratos. Juliette, c'était Juliette. Yo, Tipeee, comment ça, poulet? Ça va le mois de décembre? Tu vends de la vinasse? Grâce à Tipeee, les amis, la France devient alcoolique. Remerciez-le. Remerciez-le aussi. D'ailleurs, moi aussi, je deviens un peu alcoolique. J'ai froid, mais ton gameplay me réchauffe. Merci, mon poulet. Lol. J'aime trop jouer Solis. Le P90, c'est une... Il est incroyable. Incroyable. Je sais pas. C'est vraiment une sensation que j'ai l'impression d'être le seul parce que tout le monde me dit que c'est de la merde, mais j'aime trop. Complicado, la MDR, c'est dur physiquement. Oui, Tipeee, c'est normal que ce soit compliqué. Ok? T'es caviste. Il faut vendre les bouteilles, pas les boire. Eh ouais. Eh ouais. T'as pas insulté Six, du coup, je te récompense. Ouais, c'est vrai que vaut mieux que je tombe avec des personnes en face en général. Parce qu'avec moi, ça va. Ouais, franchement. Tu les vois les blasés de la life là. Ouais, franchement. Il reste combien de game? Il reste 48 minutes et 33 secondes de game. Perso, je suis tombé accro à Aimlab. C'est trop. C'est cool Aimlab. Hein. Le petit pic gauche, pic droite. Quand j'ai commencé à faire que ça, je pouvais plus m'en passer. En plus, c'est hyper addictif avec le bruit là. Ping, 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 ping. T'as envie de faire que ça, que ça, que ça, que ça. C'est incroyable, Mlive. Vraiment. J'avais un avis super négatif avant là-dessus. Et au final, non, vraiment, c'est vraiment cool. 118k sur le grid shot, je tremble. Ah, le grid shot, je suis pas un monstre, moi, là-dessus, non. Après, j'ai jamais vraiment essayé, quoi. Mais bon, le grid shot avec... Étant donné qu'il y a de la sensibilité verticale, tu vois. Dans Rainbow Six, c'est rare au final, tu vois. En règle générale, t'as ton crosshair placement qui est au niveau de la tête et tu te balades, c'est gauche-droite, gauche-droite. Et le fait de garder toujours la ligne sur le même... Indépendamment de l'arc de cercle que tu vas faire sur ton tapis de souris, tu gardes toujours la ligne au niveau du, avec un bon crosshair placement, quoi. Mais quand le grid shot, du coup, il te fait jouer, il me semble, c'est le truc où ça apparaît partout, là. Et il te fait jouer sur une verticalité. Et moi, la sensibilité verticale dans Rainbow Six, elle sert à rien au final. Alors, c'est toujours bien. Tu vois, je pense que ça peut pas être mauvais. Mais j'ai jamais compris pourquoi, voilà quoi. Et comme moi je suis un joueur de CSGO, à la base, enfin CSGO, Counter-Strike plutôt, bah c'est pareil. La sensibilité verticale, bon, dans CS plus que dans Rainbow, mais bon, moins quoi. Enfin, pas tout le temps quoi. 80% de tes shots, ça va être du décal-je-tire au final.
Donc c'est plus du placement, du pré-shot, du... Je sais pas, je... Donc tout ce qui est aim, je trouve que les trucs aim lab, gridlock là, enfin les grids, je trouve que ça favorise énormément les gros joueurs de aim. Donc souris light, les mains en fingertip, tu vois, ta 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 tout dans le poignet, pam 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 pam, et voilà quoi. Alors, franchement, GG à eux parce que c'est incroyable, mais je sais pas, dans Rainbow Six, j'ai pas eu besoin de ça pour me sentir pas trop mauvais, quoi. Merci Super Knacky d'avoir payé tes 3 mois de frais de scolarité, t'es un monstre, poulet, vraiment. Du coup, il me faut quoi, là? Oh ouais, j'ai pas débloqué ça. C'est cool, ça. Hein. Équipé, bien sûr. Ça va parfaitement ensemble, lol. Mais il est trop stylé ce background là. Genre vraiment. Hein. Il est vraiment trop stylé. Qu'est-ce que je prends parfois? Tachenka. Oh la vache. Ça c'est de l'apparence mon gars. Ah faut que j'arrête franchement. Bon quoique on s'en fout en fait. On peut pas faire des équipés à tous, c'est chiant ça. T'es obligé de les faire one by one et ça prend vraiment beaucoup de temps, je trouve. Oh mon Tachenka, il est débile. Débile. Ah ouais, mais tout le monde l'a celui-là en fait. Ah non, c'est que j'ai un. What the fuck? J'ai un load. J'ai un truc élite? Non. La tête va parfaitement dessus. Nickel. Qu'est-ce que je prends de temps en temps? Castle, Mute, je vais prendre très rarement au final. Mira. Putain, j'ai pas de skin là-dessus. J'ai même pas le Black Ice là-dessus. Oh, c'est incroyable ça. J'ai pas grand-chose. J'ai même pas le Black Ice là-dessus. Ça va pas du tout avec le truc orange en plus. J'ai vraiment rien sur Mira, c'est ouf parce que je l'ai pris quand même beaucoup de fois quoi. Ouais, il y a plein de nouveaux modes super cool dans Aimlab. Ah ouais? Pour les flics et le tracking horizontal. Ouais, j'ai entendu. Hein. Ah, c'est pas dur à faire en plus. Hein. Franchement, c'est ça qui est hallucinant, c'est que c'est un jeu qui, c'est un truc qui marche, etc. Machin, mais c'est vraiment peanuts à faire en termes de développement du Aimlab, voilà quoi. Yo Skies, j'ai dû tout faire skin plus arrière-plan one by one 6 fois. Le jeu faisait des resets, mais ouais. Oui, oui, c'était un bug. Quand tu... Surtout quand t'allais sur le TTS et que tu revenais sur le normal, bien sûr. C'est très connu comme bug. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai lâché le truc en disant, vas-y, bah les couilles, en fait. Donc souvent, je le fais one by one, voilà, quoi. Mais d'aller me retaper tout, là, non. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un fichier backup exporté, tu vois. En soi. Il faudrait un fichier backup exporté. Et de temps en temps, bon après ça fait pas très pro, ça fait pas très 2022 quoi, parce qu'il faudra un truc plutôt dans le cloud, machin. Mais en vrai ce serait pas mal je pense. Et là aussi j'ai rien dessus là. Ouais, j'ai les trucs du début du jeu quoi, qui sont marrants parce que bon bah... Le peacock est cool je trouve. Moi aussi, j'ai les resets trop relous, j'ai abandonné. Mais tout le monde a eu des resets. Surtout si t'es allé sur le TTS. Bah, pff, bon, ça, c'est pas le plus grave, quoi. C'est pas le plus grave, je trouve. Yo, Zerosk.
C'est pas le plus chiant, honnêtement. Je regarde toujours les trucs, hein. Faut avoir les agressions vers l'extérieur quand même encore. Moi j'aime bien la nouvelle map, hein. Vraiment. Mais faut claquer ce genre de mode là pour la connaître par cœur et après commencer à dire ah franchement elle est cool. Une fois de plus je la préfère à Villa quoi. Pourquoi j'ai en 4 tiers plutôt qu'en 16 neuvième ou autre question d'habitude, c'est juste mieux. Ça, en fait c'est ton field of view qui va être qui va changer principalement. Ouais, il est parfait comme ça là. Bon, sauf le truc qui va pas vraiment dessus. 4 tiers, 3 demi et 16 dixièmes. Voilà ce que les joueurs pro vont jouer. Principalement. Merci le Guise d'avoir enfin la possibilité à 5 personnes de payer leur scolarité ou leur frais d'inscription au campus. T'es un monstre, poulet, vraiment. Ça compense pas le fait que t'aies fait des blagues toutes pourries tout à l'heure. Mais on t'excuse quand même. Merci mon poulet, vraiment. Envoyez plein de GG, plein de cœurs s'il vous plaît pour le Guise. J'ai pas entendu passer à droite, faut que j'aille vraiment vraiment aux toilettes, je suis en train de dandiner sur ma chaise là. J'arrive les amis, à tout. J'ai jamais entendu passer à droite. Waiting with problem. Still on yellow ping, crouched. Another smoke. Fleed. Where is he? Fleed. They crossed the I tell you. He's pushing and pushing and pushing. Ouais. Ah. Tout va mieux. LOL. Merci le Guise en tout cas d'avoir enfin la possibilité à Baimika, Lucas, Petit Foxy, Sneholz et Vita Swift leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. T'es un monstre poulet, vraiment. Envoyez plein de GG et plein de cœurs, vraiment. Des GG et des cœurs. Mais on est passé sous la barre des 50 minutes. T'as essayé 0 en 3 de vitesse? What? Attends, 0 il est passé en 3 de vitesse? Putain, je savais même pas.
Ah, c'est cool ça. Non, non, faut que je l'essaye, faut que j'essaye. Faut que j'essaye, franchement. Moi, j'aime bien Zéro. Hein. Franchement, voilà quoi. Bien joué et tout, bien support. Ah, c'est le genre de perso que je jouerais, ouais, vraiment full squad, tu vois. Bien support, quoi. Bien support, bien prise d'info. Pas de prise de risque. Tu mets des bonnes cams de rota et tout. Tu pourris totalement le jeu des adversaires, Fina. Merci, Fina. Nouvel étudiant du campus, t'es un monstre, poulet. Ouais, tu pourrais vraiment le jeu des adversaires. Tu mets des bonnes cams, là. Tu drones un petit peu, tu mets tes cams, bam, bam. Bon, après, souvent, à mon avis, tu dois passer quand même 3 heures à faire tes trucs, quoi, tu vois. En solo, il se joue bien. Ah ouais? Putain, faudrait que je le joue tout à l'heure. Faut que j'y pense. Et là, j'avoue, Zéro, je le jouais jamais. Et franchement, il est vraiment cool à jouer. Il est vraiment, vraiment cool. Oui, Adfalza. Incontestablement. Le fait de péter les drones, c'est quand même insane. Pas ton skin Black Ice. C'est le plus beau. C'est le plus beau, mec. Regarde, c'est pas du Black Ice. C'est le plus beau des skins du jeu. Oh, on-site, 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 on-site! C'est un shotgun. Non, je voulais ce Pokémon! Le mec, il veut pas mourir, quoi. Et le mec qui est passé à droite, il est où? Oh là là, je suis pas aidé, là. Salut Six, comment tu vas? Et toi, Galactix? Plus rare aussi. Glacier? Bah, il est inchoppable, le glacier. Il est incroyable ce perso, je suis d'accord. Un des seuls skins potables avec le Black Ice. Oh ça c'est pute ça. Ça c'était valable il y a 2-3 ans de pouvoir dire ça. Mais non, 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 non. Il y a des skins qui sont incroyables. Les skins des équipes Pro League et tout. Non, 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 ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Franchement, et ça c'est un peu comme dire c'était mieux avant quoi. Il y a une espèce de nostalgie par rapport au glacier qui en a créé une espèce de d'aura, de... Voilà quoi. Non, non. Non, il y a des skins qui sont vraiment, vraiment dingues. Et pourtant, je suis pas très fan de skins quoi. Il y a des trucs dans les Battle Pass qui ont été faits, l'arme sur Zofia qui sont hyper originales, l'arbalète de Vigil, trucs comme ça, faut aimer, mais moi j'aime pas. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est hyper original et très stylé. Et puis des trucs genre, des trucs un peu japonais là. Oh, non. Il y a des skins, même moi je me disais putain la vache, le skin des Dark Zero là, il était incroyable. Ce mec il avait le charme champion là. C'était un charme champion ou pas? Pour tirer comme ça, c'est chaud quand même. Il y en a, je comprends pas, vraiment. Ouais, en même temps, si tu pars en squad, tu donnes les calls, t'es toujours avec tes potes. Ça passe, hein. Mais là, là, ça tirait quand même en diagonale. Ça va bien, je suis bientôt silver. Ah ouais? Moi, celui que j'adore actuellement, c'est le skin du Battle Pass niveau 100. J'ai pas vu. Le fusil à pompe? Le fusil à pompe, là, un peu valorantien, là? Il y a un skin magnifique sur le shotgun de smoke dans le Battle Pass. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, smoke, ouais, enfin, SAS, ouais. Mmh. Ouais, ouais, il est ouf, lui.
Après, faut aimer, hein. C'est pas trop ma cam, mais... Mais qu'est-ce qu'on a fait là? À se barricader à l'intérieur. Il a un charme de Pengu en plus là. Faut qu'on lui défonce sa petite gueule lui là. Oh, le skin requin sur le FAMAS. Ah, c'est vrai que le skin requin... Je crois que je l'ai, non? Ah, celui-là, il était... Bon, là, je le mets parce que... Je l'ai pas. Je l'ai peut-être sur un des Smurfs. C'est quoi cette merde? On va mettre celui-là, lol. AP90 c'est OP. Trop bien. Tu l'as peut-être sur l'arme de Mozy. Non, non, le FAMAS, je l'ai sur l'un de mes comptes. Le requin. Mais ça doit pas être sur mon main, bizarrement. J'aime pas sur quel compte je suis. L'arme de Mozy, non, 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 non. Y a un requin sur l'arme de Mozy? Sérieux? Je savais même pas. Ah, franchement, les moyens skins. Est-ce qu'on peut le mettre tout là-haut, là? Merde, je suis pas en train de jouer, là. Je suis en train de découvrir la map. Can you open the hatch, bro? Yekal, rakal, rakal. Shotgun, no? You don't have shotgun. Ah, okay.
Un gros jackass. Thanks, bro. Wait. I'm running for you. Okay, so on my ping, this is empty. There are only two. One here on my ping. He moved. Three here. Bonsoir, colonel Enz. Alors, l'émeraude, vous en pensez quoi, cher joueur? Le nouveau rank, là? Que veux-tu qu'on en pense, Oulé? Alors, attends, on va essayer ça. Là aussi, j'ai pas de skin, tu vois. Trop récent. C'est quoi, ça? Datum processeur. Ah non. C'est nul, non? Franchement, ils sont stylés, les trucs React, là. Le rose est joli, le rose bonbon. Non, Excelsior. Excelsior. Je mets pas de rose bonbon, ok? Je ne suis pas né dans la même génération que toi, ok? Je tiens encore un peu à ce mal alpha et cette virilité absolue. Ce n'est pas possible. J'essaie de changer, hein. J'essaie de me dire le rose c'est bien, tu vois. Comme certaines chemises dans la fin des années 90. Mais non, ça me rappelle trop le PQ. On veut des bons gamots de bonhomme, nous. Ah ouais, 3 machins. Et comment ce skin? Ouais, bon, ça va pas super bien ensemble, mais bon. One at the top of the main. Activating thermal sequence. On my ping, bros. On my ping, one on my ping. Melusi top. Dead. One friendly operator remaining. Il entendra pas comme ça sur le bruit.
Where is he? In the kitchen. Si je meurs là-dessus. Can you see him? Absolutely not where you pinged! Fils de pute! Bonsoir Twitch, bon live à tous. Pourquoi je m'y attendais? C'était quoi ce ping de merde? Voilà. Bravo poulet. Tu as eu ton heure de gloire. Exceptionnel. Mais pourquoi tu joues pas sur les serveurs français, européens? Tu pars pas en enquête, machin. Mais mec, une game sur trois quand même. Donc ça va quand c'est des mecs sympas et que ça va. Mais bon, quand je me fais troll. C'est chiant quand même. Bon là, ça va. Bonsoir, Colonel Hens. Merci pour les 9 mois encore, poulet. 45 de dégâts. Par balle de cadence. 800 de cadence cette arme. C'est un laser. La SC 2000K là. C'est moi où le son a changé. Changé dans quel sens? Estière cette arme. Ok. Estière. Je sais pas. Non, ça vaut pas. Non, franchement, ça vaut pas. L'arme de Jackal, quoi. A plus, à la limite, ouais. Bon, après, dans la tier list qui va sortir sur YouTube, on a quand même mis des trucs. En la revoyant, j'ai fait, attends, il y a quand même des conneries. En fait, il faudrait vraiment avoir un tableau comparatif des stats, quoi. On l'a mis en A ? Ok. Il faudrait vraiment avoir un tableau comparatif avec les stats. Moi, je la kiffe en tout cas. Je trouve qu'elle vaut la K12. La K12, elle a un bon petit kick quand même. A plus tard, Matix. Merci pour tout, poulet. T'as été très généreux. Merci pour tout. Et bon courage pour ton entretien demain. Merci vraiment. Des conneries dans la tier list? Tu dois te tromper. Non, nous dire des conneries? Lol. L'arme de lion, elle est placée comment? Elle est placée dans la tier list pour l'exclamation YT. Va falloir que tu t'abonnes, Victor, et tu attendras la tier list. Ah ouais frérot, on peut pas tout avoir, ok? On peut pas tout avoir. Rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Les tier list armes et maps sont vraiment cassés. Ouais, mais ça dépend. Après, maps c'était par rapport aux préférences des gens, tu vois, donc ça va au final. Maps c'est par rapport aux préférences des gens. C'est pas non plus en mode tryhard, quoi. Je suis abonné sur YouTube. Eh ben, Victor, il y aura très vite une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir au mois de décembre, les amis. What's wrong? Do you want to talk to me? Wow, nice voice. Yeah, I know. What's the problem, bro? I have no problem.
Ça c'est l'attaque des drones mec. 3, 2, 1, il tire derrière moi. Merde. C'est quoi ton entretien du coup, Matix, là, demain, là? Putain, j'ai mal au crâne, je suis désolé, les amis. Oh. Il visait les hanches. Bah, ouais. Il visait les hanches, mais c'est une tête. Pas moi. Putain, j'ai mal au crâne, là. Ça me serre la tête, sérieux. Le nouveau perso en Pro League, tu penses que ça peut donner quoi? Je pense que... Ah oh bah regardez. Lol. Voilà. Oh là là. Gros joueur là. En Pro League... Oula, oula, ça décale... Mais il joue au contrôleur là ou quoi? Reloading ammo. Je pense que ça peut être joué, mais ce sera situationnel quand même, quoi. Après, péter du drone, c'est quand même hyper intéressant, mais attention, parce que on peut pas prendre un opérateur juste comme ça en se disant il est puissant, il est pas puissant, quoi. Il faut aussi partir du principe que prendre cet opérateur, c'est peut-être s'enlever d'autres opérateurs qui sont intéressants pour le coup. Je pense qu'il sera aussi situationnel en pro qu'un pulse au final, même si c'est pas utilisé de la même façon. Faut voir, après ça se trouve il y a une utilisation qui va être sortie et qui va devenir vraiment méta, vraiment importante, je crois pas. Je pense que les pros ont montré qu'ils avaient, qu'ils peuvent faire sans drone, tu vois, depuis longtemps au final. Et le jeu ne pousse pas à ça de toute façon. Lol. Le jeu ne pousse pas à ça dans tous les cas. En revanche, Solis, par exemple, tu vois, comme quoi, Solis serait sorti, même sans impact, hein. Solis serait sorti en année 1 ou 2, bon, c'était l'opérateur que tu prenais tout le temps. La value du drone était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc un truc qui pète des drones, pff, voilà. Yo Machum, salut Sandra. Syndra, pardon. On va peut-être changer de casque, non? De quoi? Pourquoi? Il est bien ce casque? Non, j'ai juste mal aux têtes. À la tête, ça arrive, quoi. Ouais, il est bien mon casque. Il est parfait ce casque. Je sais pas, j'avais l'impression que ça serrait un peu pour une fois. Ça c'est cool de pouvoir faire les rotas sans blesser personne au final. Je trouve ça incroyable. Prepare for assault.
On mapping. Vas-y, il me casse les couilles, lui, hein. Bah, hey, frérot, tu me saoules aussi. Ouais, c'est la fin de la journée, j'en peux plus. Après, on a vraiment le temps avant de voir Solis en Pro League vu qu'ils pourront pas la jouer pour la prochaine saison. Ouais, en plus, il y a le délai de carence. Il y a le délai de carence, donc bon. Oh la vache. Allez, ton C4. Allez, va mettre ton C4, Capcan. Allez, allez. Oh putain. Oh là. Il a du mal. Il a du mal, le Capcan. One on my ping, bro. Yeah, on the ground. Qu'est-ce qu'il lui a balancé dans la gueule, là? Une alarme. They have the hostage! Ah! On my ping, bro. One ping five. There, behind you. Behind you. Left. Yep. On my ping. Ping five. Still on my ping, reloading, maybe pushing. Op 4, last op standing. Ping 5. Nice! Il lui a jeté sa vieille godasse, c'est. Quel est le meilleur perso en perso. Attends, putain, je suis fatigué, je suis désolé. Quel est le meilleur perso en défense pour un débutant? Pour l'exclamation YT, les frérots. On va sortir la tier list qui répond exactement à cette question. Parce que ce sera plus simple que de juste dire un nom, quoi. C'est pas si simple. D'ailleurs, profite ici. Lol. J'ai envie de jouer ça. Lol, lol, lol. Et du coup, avec le MP7, ça donne quoi? Ça joue avec le suppresseur, le MP7, ou c'est pas ouf? Bof. Ça se joue. Ok. Ok. Beat it. Faut que j'aille manger en fait. C'est ça le truc. C'est que mon cerveau est en train de me dire faut aller manger. Là faut aller manger. J'aime vraiment la map, je m'en lasse pas du tout, puis c'est cool quoi, un peu un vent de fraîcheur quoi. Nouvelle map, pour ça que je la saigne. Autrement, voilà quoi. Je crois que j'ai jamais pris le FP7 sur lui. Attends, mais je l'ai pas vu. Putain, c'est un kick un peu horizontal quand même. Bizarre parce que ça me donne envie de balancer un C4 là. I'm sorry. Je la balance sous le truc qui était à gauche. Ah bah pas du tout. Vas-y, viens là, on sait que t'es là, il est là, là je peux rien faire. Ah mais on est en 2v12.
Ouais, le mec il prend pas le bait quoi. Oh, pff, tu peux rien faire contre des gold. Tu peux pas bait un gold. La porte est ouverte de l'autre côté. Non, mais je vais rester là dans mon coin où j'ai aucune chance de m'en sortir. Tu peux pas. Tu peux pas anticiper ça, tu vois. Tu peux pas. Elle est dure à mémoriser la map ou pas? Ouais, elle est pas simple. Franchement, la map est pas simple. On peut pas dire le contraire. Elle est pas simple parce que même là, ça doit être... Franchement, j'ai dû la jouer 150 fois, je pense. Et il y a encore des endroits où tu te dis, ok, ça connecte là. Donc là, les pièces, c'est bon. On commence à s'amuser sur les sorties. Mais de temps en temps, il y a encore des connexions qui se font pas entre une pièce et un autre en disant, ah ouais, j'arrive sur ce truc-là, j'arrive sur ce truc-là. Souvent parce que ton cerveau, en fait, il a l'habitude d'une autre map qui ressemble à peu près. Et du coup, tu décales d'une façon et tu te dis, putain, merde. Alors forcément, quand tu te balades, quand tu me vois me balader, tu t'en fous, tu vois. Mais vu que sur Rainbow Six, ça se joue dans le détail, il y a des fois où tu vas être en mode, putain, la vache, là, s'il y avait eu un mec en face, là, je serais mort. Clairement, je m'attendais pas à ce que la ligne soit là au final. Donc voilà. Mm-hmm. 12 minutes avant que j'aille manger et que je vous laisse et que je vous abandonne forever. Forever and ever. Enfin, jusqu'à demain quoi. Putain, 7 heures de live quand même. Aujourd'hui encore. Alors je me fais petit live. Tranquille. Petite reprise. Après les 81 à 4 heures de live de la semaine dernière. Lol. Merci Plasma, 9 mois de frais scolarité. Foiré. Merci Poulette, avance. Allez Sam. Yo Noxy. Demain live à quelle heure? Comme d'habitude, je pense vers 15h à peu près. 15-16. Il y a un coach demain. Donc on coach quelqu'un demain. Je suis vraiment désolé, j'arrête pas de bailler. C'est mon cerveau qui me demande du sucre. C'est tous les jours? Ouais, lundi au samedi. Inclus. Y'a que le dimanche que je live pas. Je crois que ça va sur Discord, si vous voulez tous savoir tout ça, donc c'est mieux. En deux jours, il est à 56h. La semaine dernière, en deux jours, 96. En 4 jours, du coup. Ça reste libre. Bien tenté frérot, mais non. Et tu vas te prendre le petit pré-shot là. 181. D'accord. Rage kit, mon gars. J'aime bien terminer sur un rage kit. Oh my god. On voit pas grand chose. Tu m'étonnes. On voyait absolument pas, en fait. J'étais même pas sur le truc où il est apparu, quoi. Lol. Et pour moi, c'était impossible qu'il puisse m'avoir puisqu'il n'y avait pas la ligne. Bah, ouais, écoute. Hey, les gars. C'est Rainbow 6, hein. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup d'infos, le monsieur. Non, il a eu de la chatte, je pense. Je pense que même lui, ça l'a surpris, hein. Il a juste pré-shot à l'endroit et on me voit jamais. On pourrait repasser le truc en 0.5, même en 0.25, jamais j'apparais sur son écran. Jamais il y a une ligne qui apparaît sur son écran. Aïe, 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 aïe. Non, je vais pas casser, mais bon, il peut y avoir des problèmes de perspective comme ça, quoi. Vu que ça joue sur du pixel. Voilà. En fait, le vrai truc qu'il faudrait dans le jeu, il faudrait vraiment que... Même si ça changerait complètement la donne... Il faudrait vraiment que qu'il n'y ait plus de one tap en fait. Il faudrait que ça fasse un peu comme CSGO. Genre si tu mets une tête, ça fait un ding quoi. Et après tu peux venir
Enfin, tu peux venir te heal et tout. Tu peux enlever 90% des headshots, des HP, mais pas 100 en fait. Après, bien évidemment, bon, si tu prends Kali, c'est du one tap dans l'orteil, quoi. J'ai Eclipse, si tu veux repasser en 0.25. Vas-y, fais voir, fais voir. Envoie sur Discord, ça me ferait marrer. Discord. Ah! J'ai adoré la vidéo d'aujourd'hui, ça change. Ah, ça fait plaisir les poulets, vraiment. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez laissé un petit commentaire et un petit like sur la vidéo d'aujourd'hui, justement. Vraiment, ça ferait extrêmement plaisir. Vous êtes des monstres. La vidéo est trop bien. Est-ce que vous avez mis un petit commentaire et le like, ok. J'imagine, j'espère. Et le commentaire, n'hésitez pas à en mettre un parce que ça nous aide justement à démocratiser un petit peu ce genre de vidéo. En tout cas, à développer ce genre de vidéo et de concept sur la chaîne. Voilà. Ce sera un tout autre jeu sans les one-tap. Tu m'étonnes. MP Discord. Ok. Tu m'as MP sur Discord. Ah lol. On va voir ça. What the fuck? C'est cette balade qui me tue. Il a vraiment pas fait exprès. Ah bah non, 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 tu vois bien que c'est pas... Voilà quoi. C'est pas un monstre. Mais en vrai, je crois qu'on le voit avant qu'il me... avant quand je meurs. Là. Et en fait, comme je fais un backstep pour justement moins prendre la ligne... Je pense que je laisse un peu traîner ma hitbox, quoi. Là, je backstep, mais ma hitbox, elle est toujours là, mon moi, il tape dedans, quoi. Ouais, bon. C'est Rainbow Six, hein. Ouais, c'est Rainbow Six. Enfin, lui, il sait pas, en tout cas. Lui, il sait pas pourquoi il a fait ça. Enfin, il pré-shot dans le bon endroit en même temps, mais bon, le contrôle du recoil est dégueulasse. Il se barrait comme ça, jamais personne ne fait ça. Ouais, il a mis le plus gros headshot de sa vie, lui. Là, il sait même pas. Hein ? Quoi ? Putain, la vache, j'ai mort, mort ! Ah, je l'ai eu, bien sûr. Lol, la gueule. Oh, fuck. Right. Incroyable. C'est vraiment pixel, quoi. Ouais, bah, c'est Rainbow Six, les amis. Hein. C'est comme ça, hein. C'est vraiment comme ça, les petits amis. C'est Rainbow Six, c'est Pixel. All right. Combien de temps nous reste-t-il ? 5 minutes et 30 secondes avant que je puisse aller manger. Ladies and gentlemen, avant de vous abandonner, comme des grosses merdes, ok ? Allez, je vais pas vous faire patienter, je vous abandonne, les petits amis. Les 5 dernières minutes, vous le savez, ça va être sur les crédits du campus de la Salty Academy. Vous le savez, on va passer dans le bureau. Oui, oui, si ça veut bien marcher, cette merde de Stream Deck. Putain, j'aime pas les trucs qui marchent pas. Let's go. Vite, refouter 2 heures. Non, 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 non. C'est fini. Le sabaton est terminé. Et voilà, il n'y a plus de trucs sur le côté.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sub-bâton est terminé. GG tout le monde, ça ne sert plus à rien de hein, vous... Il n'est pas fini. Hein. Ça, bravo! 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 Il est fini! Il n'y a plus rien à droite, Lexirus. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. T'as perdu de l'argent, fils de pute. T'as essayé de me niquer. Alors que je t'ai dit que j'avais mal à la tête, espèce de petit bâtard. Eh ben, tes subs, tu les prends, tu te les mets dans le fion, ok? Hein? Voilà, je t'ai dit que j'ai mal au crâne, je t'ai dit que j'ai envie d'aller me coucher. Et toi, t'es un petit enculé. J'ai rajouté 5 minutes pour bien qu'il crève, ce fils de pute. Alors que tu me les aurais pas donné d'habitude, normalement, avec une putain de gentillesse. Non, tu le fais parce que t'as envie que je crève. Parce que t'es un connard, Lexirus. Si, un peu quand même. Merci pour Silax, pour Divurable, pour Aniti, pour Eloji et pour Taketsi. Mais va te faire enculer, Lexirus. Hein, voilà. Là, c'est comme ça le campus de la Soul Academy. Hein. Hein, tu files 20 balles, tu te fais insulter. Ouais, c'est quand même pas mal. Ah ouais, mais ça, c'est... Quoi ? Encore 5 minutes ? Mais si. Non ! Le truc n'apparaît plus à gauche ! Le truc n'apparaît plus à gauche ! À partir de ce principe-là, et à partir de ce moment-là, le compteur reset. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Ah ouais, tu vois mon cadeau à côté du perso, hein, du pseudo. Hein. Ouais, voilà. Après 10 minutes pour les crédits, c'est vrai que c'est large. Oui ! On va se prendre des petits crédits de 10 minutes. Voilà. Merci Lexirus. Hein. Du coup, petit crédit de 10 minutes, et puis c'est bon, on est bon en fait. Hein. Bon, n'oubliez pas en attendant de faire point d'exclamation YT, ladies and gentlemen, et d'aller sur YouTube et d'aller... Vraiment, ça me toucherait énormément si vous faites l'effort inconsidérable, énorme, d'aller sur YouTube et de liker et commenter la vidéo. Non, genre vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir. Faites point d'exclamation Discord, n'oubliez pas de faire point d'exclamation Discord, c'est là que vous pourrez trouver l'âme sœur, vraiment. Certains ont trouvé l'âme sœur. Voilà, c'est pas les plus belles personnes hein, sur le campus de la Soul City Academy, mais bon, franchement, voilà, vous savez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, vous pouvez trouver l'âme sœur ou vous pouvez trouver des teammates, ce qui est plus facile quand même, des teammates pour partir dans des games. Vous pouvez aussi avoir les infos du campus de la Soul City Academy, et en ce moment, il y a des petits trucs qui sont organisés et qui vont arriver très prochainement sur le campus, sur le Discord. Voilà, c'est là que c'est le campus digital, ok, c'est là qu'il faut aller. Donc ça, c'est le premier truc pour les informations YT. Vous le savez, TikTok, si vous voulez, hein, pour les plus jeunes d'entre vous. Mais il n'y a personne de jeune ici. Vous êtes tous des vieux cons, de toute façon. Voilà. Et je pense avoir fait le tour. OK ? Je suis fatigué. Je vais me coucher. OK ? Je vais dormir. J'ai mal dormi ce week-end. OK ? J'en ne peux plus. D'accord ? Et c'est quand le match de foot ? C'est quand ? C'est mercredi, la France ? Ou pas ? Bonne nuit, Six. À plus tard, Emo. Bisous, poulet. Mercredi 20h. Putain, faut que je lance le live avant. Mercredi 20h. Demain, je crois. Ouais, ok, Excelsior. Ça marche. Ok, ça marche. Il doit y avoir un super truc demain, du genre Rennes-Montaigu, là. Voilà. En attendant, ladies and gentlemen, vous le savez, je vais envoyer le son qui marque la fin du campus de la Soul City Academy pour aujourd'hui. Et la fin de ce sub-bâton où je ne saurais vous remercier assez de votre grande générosité. Vous avez été absolument monstrueux. Merci infiniment. Vraiment, ça me touche énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Demain, Croatie-Argentine. À 20h. Mercredi, France-Maroc. À 20h. Et dimanche, la finale. Putain la vache, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Putain la vache. Et faut que je lance plus tôt demain. Faut que je lance plus tôt. Pour aller regarder le match. Merci infiniment. Vous êtes des monstres. Je vous aime. N'oubliez pas de faire pour les informations de Discord. J'ai déjà tout dit. Je disparais. J'ai déjà... Vous m'avez trop entendu. Je parle trop de toute façon. Je dégage. Ciao. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. Les étudiants, les donateurs, les cheerers, les hosts, le staff de la Soul City Academy, toutes les personnes qui ont participé à ce bâton, vous avez été absolument extrêmement généreux. Merci de me permettre de continuer à faire ce que je fais. Vous êtes des monstres, en particulier les contributeurs et le staff et les étudiants. Et d'ici à demain, n'oubliez pas qu'on est Soul City. Oui, mais pas que.